Mesdames et messieurs, j'ai donc la joie et le plaisir de saluer votre présence dans ce somptueux cadre de l'hôtel Vita à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des miniers, édition 2017. Prenez besoin de souligner que le Nord-Kivu est une province qui, de manière progressive, fait parler d'elle à travers la République démocratique du Congo dans le sens positif, grâce aux efforts de vous tous ici, grâce aux efforts du gouvernement congolais, grâce aux efforts de toute la population qui s'est battue pour qu'ensemble nous puissions retrouver cette paix progressive. C'est grâce donc à cette stabilité que le Nord-Kivu peut espérer à ce jour tirer les meilleurs avantages de ses ressources à travers une série de sociétés minières qui s'implantent progressivement en province, telles que la Sonikivu qui exploite la pyrochlore, la Sakima, la SNB et le fleuron de l'exploitation de 3D avec Alpha Mine, ici et Mining, en phase avancée d'implantation d'une mine industrielle qui permettra au Nord-Kivu d'être compté, et je le pense bien d'ici une année, parmi les provinces exportant les produits miniers à forte valeur ajoutée. Honorables mesdames et messieurs, l'exploitation minière a certes contribué à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais impliqués dans cette activité économique. Mais elle a aussi contribué au budget, tant provincial que national. C'est donc un secteur non négligeable pour le gouvernement, en ce sens que son apport au budget a permis d'envisager et de réaliser nombreuses actions de développement à travers la province. Se rendre sur la route Sake, Masisi, Walikale, ils se rendront compte que plusieurs ponts ont été érigés sur cette rançon grâce aux fonds qui proviennent de ce secteur minier. C'est donc pour moi une occasion de rappeler alors tous ceux qui se livrent encore à la fraude et à la contrebande de s'abstenir de ces pratiques illicites qui non seulement tue notre économie, mais aussi et surtout retarde le développement de notre pays en général et de notre province en particulier. Pour tous ces contrevenants, la rigueur de la loi s'appliquera sur eux sans autre forme de procès. C'est pourquoi je demande aux organes de la loi de réprimer sévèrement les fauteurs en nos troubles pour que le Nord-Kivu se classe parmi les meilleurs élèves de la lutte contre l'impunité. Le gouvernement provincial réitère son engagement à poursuivre non seulement l'assainissement du secteur des mines, mais aussi la mise en place des infrastructures de base en termes d'énergie, des transports et communications en vue de la promotion du dit secteur. Je voudrais noter que ce travail nécessite également l'accompagnement des opérateurs miniers. Au regard des textes qui régissent actuellement ce secteur, les sociétés minières opérant en République démocratique du Congo sont appelées à intégrer dans leur pipeline les plans de développement social en termes de construction d'infrastructures de base, je veux dire les écoles, les hôpitaux, les marchés, les routes, les adductions d'eau potable, etc. Pour celles qui les font déjà, elles bénéficient de tous nos encouragements et de tout notre accompagnement. Honorables mesdames et messieurs, à l'occasion de cette journée des miniers, je ne saurais
terminer mon propos sans inviter tous les intervenants dans ce secteur à la formalisation de l'artisanat minier et l'émergence de l'industrie minière au Nord Kivu, comme l'indique bien le thème central de cette journée. Et c'est donc en ces termes qu'officiellement je lance cette journée internationale des miniers en province du Nord Kivu. Et je vous remercie. Et la croissance économique au Nord Kivu, que
participation de la femme dans le secteur minier du Nord Kivu, terme qui a été préalablement préparé par Madame Catherine Picard, chef du programme CBLMT, le Tétraté. Donc, c'est une question. C'est recentré sur le thème responsabilité des entreprises minières dans le développement économique des communautés locales. Ce thème, les questions autour de ce thème seront répondues par le député de la famille, à savoir l'honorable Kalinda. Le thème, les questions seront orientées autour du thème évaluation, valorisation et réalisation des sites miniers artisanaux. Opportunité stratégique et perspective. Ce thème connaîtra la participation d'un jeune géologue de Sylvie Tchungu avec la collaboration aussi de Léon Bora Simantos du Centre d'études géologiques. Une série de questions pourrait être adressée à M. Robert Dutomba de BSP. La valorisation de la transparence des chaînes d'approvisionnement dans le secteur minier. D'autres questions ensuite seraient adressées à M. John Kanyumi, vice-président de la Chambre des mines, et ces questions seraient centrées sur le thème des efforts des exploitations minières, les efforts des exploitants miniers, voulais-je dire, artisanaux du Nord Kivu, dans la migration vers l'artisanat. Suivant une série de questions qui seront centrées sur le thème la promotion des géosciences au Nord Kivu, sous l'orientation de M. Daniel Goy, directeur professeur du CSC. Des thèmes seront aussi également centrés. Les questions seront centrées sur le thème la prairie. Et ce thème sera développé par M. Emmanuel Troubat, chef de division provinciale de l'Union et géologique du Nord Kivu. Afin, les questions transversales seront adressées à moi-même. Voilà, Excellence, de façon succincte, les commencer les activités de ce jour pour lesquelles je souhaite la participation active de nos invités et dont je sollicite très respectueusement l'autorisation de développement par votre Excellence. Je vous remercie. Je pense que le cadre a été bien donné par le ministre. Il a dit qu'on ne va pas faire un atelier classique. Il ne nous revient pas de pouvoir revenir sur un programme qui a été fait. Je crois qu'il y a une méthodologie qui nous a. J'ai suivi dans les discours d'abord de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il est revenu sur plusieurs choses, notamment, il a parlé de la fraude et la contrebande. Et l'exposant de tout à l'heure, le professeur Ansel, y est revenu. Et dans les discours de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, il a montré clairement que la fraude et la contrebande tuent l'économie et retardent le développement. Or, je crois que l'un des thèmes centrales ici, ou du moins l'un des éléments essentiels, on doit mettre aussi l'accent sur l'économie. Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez commencer par la question pour que l'Assemblée sache. Moi, je suis M. Jean-Paul Fédio. Je suis professeur à l'Université de Gaulle. Merci. Et peut-être que je poserai plutôt la question, je ne sais pas qui s'occupe de la contrebande et de la fraude, mais j'insiste sur le discours du gouverneur. Le gouverneur a dit qu'il faut absolument décourager ce genre de pratiques, appliquer la loi dans sa rigueur. Est-ce qu'il y a une politique provinciale en collaboration avec ces services, j'imagine la justice, et d'autres services spécialisés? Et quels seraient les actes principaux justement pour décourager la contrebande, dans la mesure où on pense qu'en fermant les yeux, ou peut-être certains
d'entre vous seraient dans ces réseaux de comptes de banque et de force. Deuxième question, je crois qu'elle s'adresse à la personne qui va parler de la pré-mine. Le ministre Anselme est revenu sur le fait que les réserves minières sont épuisables, c'est tout à fait normal. Et il ne faut pas qu'on pense que nous aurons toujours toutes les ressources naturelles. Est-ce qu'il y a un programme d'accompagnement prévu pour non seulement les artisans, notamment ceux qui font l'exploitation artisanale, y compris même ceux qui font l'exploitation industrielle? Est-ce que nous avons aussi des contrats qui sont liés à cette dimension téléologique de l'exploitation minière? Je veux dire quoi? Il y a des contrats qui disent jusqu'à l'exploitation totale du gisement. Est-ce qu'on peut nous dire si réellement il y a aussi une politique qui va dans le sens d'encadrement des exploitants miniers et même de ceux qui font, du moins qui doivent faire l'industrialisation? Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de François. C'est M. François Bilot, je disais, qui est le délégué du réseau TEF. J'ai deux principales préoccupations. La première s'adresserait précisément au panéliste numéro 9 qui parle de la pré-mine. J'ai dit s'adresser au conditionnel. Ça signifie que la question peut-être concernerait différents acteurs. La pré-mine, en fait, nous amène à un plan de réhabilitation. Et réhabilitation signifie qu'on a déjà fait tout ce qu'on a pu faire. Il faut venir faire la réparation des dégâts qui sont causés. Et moi, je me dis, où serait la place de la préservation de ses conséquences? Et là, je parle beaucoup plus précisément des études d'impact environnementaux et sociaux qui sont bien prévues dans mon texte réglementaire, qui doivent être sanctionnés par ou accompagnés par un plan de gestion environnementale. Ce plan de gestion environnementale devrait s'accompagner aussi par un plan de surveillance environnementale. Je ne sais pas quelle est la politique qui est la nôtre au niveau de la province pour contenir ces conséquences, tant physiques, tant biologiques et tant socio-humaines, qui sont en fait des conséquences qui sont inhérentes à l'activité d'exploitation minière. Je ne sais pas quelle est la politique, la mise en application de cette politique au niveau de la province pour mon respect que d'Addis Bézé. La deuxième préoccupation, c'est autour de responsabilité sociétale. Ma question est de savoir comment est structurée les interventions autour de ça. Et comment participent les communautés locales bénéficiaires de ce plan au niveau local? Merci. Merci pour la parole que vous m'accordez. Je m'appelle Denis Massoukou-Congressi. Je suis enseignant à l'Université de Goma et dirigeant de l'ISP Goma. J'ai deux petites préoccupations. La première va vers. La première va tout droit à Madame Catherine qui doit nous commenter les thèmes de la promotion de la participation de la femme dans le secteur minier du Nord Kivu. C'est un thème qui m'a beaucoup sensibilisé lorsque j'ai découvert qu'il est prévu à ces assises. Mais c'est un thème qui me paraît extrêmement difficile et extrêmement ambigu. La participation de la femme dans le secteur minier a été à un moment donné une question extrêmement triste parce que s'agissant du secteur des activités artisanales, on a pu lire beaucoup d'écrits, beaucoup de publications d'ONG qui ont montré combien les femmes ont souffert
dans le site minier s'agissant de ce qu'on a appelé les violences sexuelles. Et il y a des situations où les femmes ont été pratiquement réduites à un statut d'esclave sexuel. On en parle beaucoup dans les écrits qui ont apparu ces dernières années, notamment à Bukavu, dans les mines de Bukavu, des Misisi, dans les mines même de Alpha Mine, on a connu ça. Il y a eu une énorme publication de Global Witness qui en avait parlé en détail. On voudrait d'abord poser une question à Madame Catherine, celle de savoir si dans les exploitations minières artisanales, cette situation qui frappe la femme a-t-elle évolué progressivement au stade actuel? Au stade actuel. Est-ce que ce fléau est réduit? La deuxième question, c'est une question d'ordre pratique. Elle concerne Robinson, qui parle des responsabilités des entreprises minières dans le développement économique et communautaire local. On a tout de suite l'impression que c'est exposé par d'un vécu concret. Et on sait que Robinson est à la tête de Alpha Mine, dans le territoire de Walikan. Donc on imagine qu'il a une préoccupation concrète à propos du développement communautaire local. On imagine aussi qu'il a déjà entrepris quelque chose. Est-ce que l'exposant de tout à l'heure pour cette entreprise peut-il nous dire quelques mots de ce qui est le point de départ du choix de ce thème ici, s'agissant de Walikan? Merci. Je vais abonder d'un truc que j'ai dit, parce que à la fois avec Richard Robinson, il a parlé de la situation des entreprises minières dans le développement local. Nous savons bien que les pétroliers qui jouent sont en train de participer au développement, surtout au sein des routes, dans la province, le même professionnel. Cependant, cette entreprise, la famille, où Richard a été exposé, dans la première question. Et moi, je suis un grand bloc, s'il vous plaît, pour ne pas entrer bien au quartier. Oui. Qu'est-ce qu'il entend par le développement local? Et comment est-ce qu'il prétend participer au développement local comme les pétroliers le font à travers l'engagement de la province? Lui pense sur la prestation de minier pour le développement de notre profession. Merci beaucoup. Merci, Nain. Et vous pensez que vous avez ajouté à ce temps de l'autre. Au contraire de cet article, non, à la suite du jeu de débat, des questions et réponses, la participation s'inscrit dans le thème. Il y a des questions qui ont été posées. Je veux d'abord remercier les collègues ministres provinciaux de l'environnement. Je voudrais au même moment lui exprimer le souhait et la détermination pour nous de pouvoir agir en interaction pour que les ministères des mines, qui cadrent avec les ressources naturelles, puissent travailler les concerts avec le ministère de l'environnement. Ça a toujours été mon souhait. D'ailleurs, comme ancien ministre de l'Environnement, j'ai toujours souhaité de voir comment, à travers la complémentarité ministérielle, comment on peut travailler les concerts. Et donc, à ce qui est du respect de la responsabilité d'abord de l'information de société minière dans la sécurisation de l'air, il s'est exprimé qu'il est même une obligation pour les sociétés minières de pouvoir disposer de ce qu'il est communément appelé la garde industrielle. Et chaque société doit disposer de sa garde industrielle. La société Alpha Mine a recouru à la Commission nationale des luttes contre la fraude minière et
nous verrons désormais un peu plus de l'égard et le ciel. La mise en œuvre pour la société SNP, qui est petit à petit en train de s'acquitter de cette obligation-là, pour avoir sa propre garde industrielle. Mais au-delà de ça, les contextes dans lesquels nous sommes en train d'opérer, le recteur de Bigorre va en parler, les noms qui vont être une zone post-conflit, je crois qu'il en va de la responsabilité de l'État congolais de pouvoir assurer d'abord la sécurité globale à travers les services de sécurité, quitte aux entreprises de pouvoir, n'est-ce pas, se sécuriser à se servir de la garde industrielle. Mais aussi, il faut souligner ici, parlant de la sécurité générale, la plupart des exploitations minières étant à la fois artisanales et pour certains informelles, on peut dire ici à base que parfois, c'est des fiefs, malheureusement, de forces négatives que d'exploiter les minerais. Mais à partir de la loi de Franck, des avancées ont été effectuées pour faire en sorte que les mines ou les minerais proviennent des sites sans conflit. Pour parler des minerais, on parle des minerais des sans exercer la tendance de parler plutôt des minerais sans conflit. En ce qui concerne la question autour du lien entre les exportations et les réalisations au niveau social, je crois qu'il s'agit de souligner deux choses. L'exploitation minière devrait certes avoir des retombées au niveau des populations environnementales. Mais il faut savoir aussi que les entreprises minières sont aussi des gens de particuliers. On ne devrait pas demander à des particuliers d'investir totalement dans des œuvres philanthropiques. Il faut noter que d'abord des exploitations qui visent des bénéfices. Ça, c'est un aspect. Mais la loi des Siamènes, à travers ce que nous avons appelé la responsabilité sociétale des entreprises, mais notez, il ne revient pas à la société de prendre toutes les charges de développement, toutes les actions de développement d'une communauté. Je l'ai toujours dit, pour la société Alphamine, à Messie, où on a eu la vaste littérature sur laquelle est revenu le chef de travaux ouest, si je ne m'abuse. Il faut reconnaître que si le territoire de Wanikal n'a pas eu à se développer tout ce temps, l'avènement de la société Alphamine ne devra pas résoudre tous les problèmes de développement du territoire de Wanikal. Il faudrait que les filles et les fils de Wanikal prennent en charge le développement à sa manière, entre autres, de ces sociétés lumières qui se développent chez nous. Tenez, à terme de pourcentage, les sociétés sont appelées à reverser pas plus de 5% de leurs bénéfices dans des actions de développement à terme des responsabilités sociales. Donc, du coup, on ne peut pas jeter la matière aux sociétés. Il faudrait aussi que les communautés locales prennent en charge leur développement. Donc, les gaps que nous observons entre les exportations qui sont valorisées, les revenus ici des exportations reviennent d'abord aux sociétés, aux entreprises, mais bien entendu aussi, et je peux peut-être retourner la question à l'intervenant, c'est de dire comment quantifier l'impact. Il est parfois difficile d'avoir des mesures ou des outils économiques pour dire quel est l'impact d'une société minière. Alors, à Roubaix, par exemple, toute cette cité de Roubaix qui est construite en cause autour de la mine. À Goma, nous avons des exploitants miniers qui opèrent et qui ont fait des réalisations. Toutes ces recettes à terme de fiscalité
nationale ou provinciale, mais que vous ne savez peut-être pas qualifier, mais qu'on pourrait même atteindre des responsabilités de l'État, dans mon cours et autres. Mais c'est vrai aussi que les recettes de l'État rentrent dans l'unicité budgétaire et du coup font un tout. Je m'excuse, parfois je suis trop bavard. En ce qui concerne les recettes de la province, les règles de l'OCDE par la province, je me réjouis de vous dire que nous sommes parmi les meilleurs élèves des principes des exigences de l'OCDE. Chaque fois que nous sommes allés dans des forums et que nous avons exposé les avancées, à terme des recettes des principes des exigences, nous avons été parfois félicités, si pas souvent. Et donc, autour de la question qui concerne la préparation du lycée professionnel dans les mines industrielles et artisanales, je voudrais faire la même observation, c'est-à-dire que normalement, les sociétés industrielles sont tenues d'assurer, n'est-ce pas, la protection sociale, c'est-à-dire la protection en milieu de travail. On doit avoir des casques, on doit avoir des gants. Et il revient d'abord à la société de faire ce que cela, mais il revient aussi à l'état d'observer si telle ou telle autre société respecte les règles. Mais nous avons tout un service étatique. La CAMAP aujourd'hui a seulement appelé CERSCAM. C'est elle qui devrait assister les exploitants artisanaux dans les villes. Et leur donner leur souci. Mais il faut aussi souligner que parfois, les risques que nous montons dans telle ou telle autre ligne sont liés aussi à la fois au fait que nous avons des exploitations minières clandestines. Et quand nous attendons que nous ayons un éboulement dans tel endroit, souvent c'est lié au mauvais comportement des exploitants, qui ne sont pas parfois connus. Nous avons aussi les faits que les géosciences ne sont pas appliqués dans les exploitations. On vient exploiter des talus à prix. On exploite dans une mine qui est supposée être à ciel ouvert, mais on crée des galeries souterraines et on attend que non, autant de personnes ont été, n'est-ce pas, assimilées dans les entreprises économiques. Voilà, je pourrais peut-être me limiter là pour l'instant. Les autres questions autour de l'ordre et de la tourmaline qui n'est pas tracée. D'abord, nous avons tout un système de traçabilité de l'ordre qui est en train d'être monté au niveau national, c'est le droit. Mais aussi, la politique dite Afrique-Canada, qui sont expérimentées pour la traçabilité de l'ordre. Tenez, à ce qui vient de l'ordre, pour autant que vous êtes prédisciplinés, même dans les chaussettes. Alors que les grands bagages, souvent il est difficile de la saisir lors des exportations et elle fait l'objet de beaucoup de fraudes. Il arrive même parfois de la tourmaline. Donc, qu'ils ne sont pas passés parce que soit ils ne sont pas des contrats d'achat de la tourmaline et on est obligé d'exporter à l'extérieur ensemble avec l'ordre. À ce qui est la place de la banque, dans cette table de ventre, je voudrais rappeler à mes intervenants que lors de la troisième émission de Mining Day, nous avons donné beaucoup de place aux familles. Et on ne devrait pas revenir au centre de bâti, on devrait parfois aussi donner la place à d'autres élèves. Merci. Merci, Votre Excellence. Il y a besoin de compléments. Il y a des compléments. Merci, Excellence. Il y a certaines questions auxquelles je voulais répondre, je dis que vous nous appelez pratiquement tous les niveaux ouverts. Mais je voudrais quand même revenir maintenant à la question de l'excellence, monsieur le ministre, en vraiment posé. Il y a des aspects. Il y a cet aspect de sécurité en ce qui concerne ce que son excellence a relevé, mais encore plus grave, c'est l'intrusion ou l'immixion des groupes armés dans notre chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est un vrai problème. Et comment on le résout généralement? Nous travaillons avec l'autorité provinciale à travers le comité
place, où il y a pratiquement tous les services de l'État, que ce soit l'armée, la police et tous les autres, pour répondre à ces questions-là. Et je dois vous avouer que la situation où mon entreprise travaille dans d'autres provinces, travaille aussi au Kivu, je peux vous dire que nous avons une situation qui est plus stable aujourd'hui, par exemple, si je dois comparer à celle qu'il y a aussi au Kivu, où on a des vrais problèmes. Alors, nous avons aussi relevé la question des responsabilités des entreprises par rapport aux aspects environnementaux. C'est une obligation. Nous, nous sommes pour des entreprises citoyennes. Aucune entreprise n'a le droit de se dérober par rapport à ses obligations légales. Vous pouvez vous rassurer, si vous avez des entreprises qui ne les font pas, la Chambre des lignes est là, madame, il est pour moi qui nous représente au niveau de la province du Nord Kivu, peut de temps en temps servir de relais sur ces questions-là. Moi, je suis vice-président national de la Chambre des lignes, mais quand il y a des questions au niveau de la province, il y a la personne habilitée pour traiter de ces questions-là. Et je peux vous rassurer de notre collaboration de ce côté-là. On a justement des problèmes au niveau, par exemple, de la province du Katanga avec la pollution. Certains d'entre vous peut-être ont suivi l'élément qui est passé par rapport à une très grande entreprise du Katanga où il y avait la pollution des rivières, et on n'est pas pour ça. Donc, on peut rassurer que du point de vue des entreprises, nous avons une obligation de mener des études d'impact environnemental, et de ce côté-là, vous pouvez avoir votre assurance. Alors, la question de l'honorable Denis, hein, comment quitter l'artisanat alors que les guichets sont fermés? Moi, je voudrais plutôt vous informer que les guichets du cadastre minier au niveau national est ouvert, pour votre information. Ils travaillent, mais par contre, sa préoccupation est réelle, excellence. C'est là peut-être que je voudrais un peu vous demander aussi de demander à ce qu'il y a au niveau de la province aussi. On a un bureau de cadastre minier, on a un stade aussi qui vous, si je ne me trompe pas, monsieur le président. Donc c'est vraiment très important. On ne peut pas avoir une ambition de développer notre province si on n'a pas les cadastres minier, alors qu'à Bukavu, ça fonctionne comme il faut. Ça, c'est peut-être des recommandations que je voudrais faire. Donc, on est au niveau de Kinshasa, mon entreprise est en train d'acheter des actifs miniers dans le territoire de Radical, et je peux vous dire que la procédure est en cours depuis le plus normalement possible. La question des journalistes, Son Excellence le ministre y a répondu, mais je voudrais vous rassurer que le guide aussi répond à vos préoccupations. C'est toutes les questions liées aux droits humains, notamment les travail forcés, qu'on appelle chez nous ici communément salon où on a un policier ou un militaire qui est là, qui dit voilà, vendredi ou samedi vous allez travailler pour moi sur les 100% que vous avez produit, 20% m'appartient. Ça, ce n'est pas acceptable. Il y a la question des violences sexuelles aussi qui est couverte par rapport au CDE et surtout le travail des enfants. Donc de ce côté-là aussi, si vous avez besoin de beaucoup plus de détails, que ce soit Son Excellence, chef de division, mais les chefs d'antenne, c'est ici, nous, coopérément, et tout le monde, juste même l'honorable Sénégal, nos partenaires qui sont ici, nous travaillons étroitement sur cette question-là, et le guide est en version française, il y a même un résumé en français. Et vous pouvez vous rassurer que notre société civile est tellement active sur ces questions-là, et souvent, on a même des positions assez tranchées ou divergentes par rapport à leur plaidoyer sur ces questions. La dernière question, c'est celle peut-être qui allait peut-être même couvrir mon intervention d'aujourd'hui, c'est celle qui a été posée par Mme Mongoto. Comment est-ce que nous pouvons nous lier effectivement de l'artisanat vers la petite mine? Et quelle est la différence entre les deux? Moi, je vais peut-être utiliser des termes qui sont les plus simples et clairs pour comprendre la différence. Aujourd'hui, l'artisanat, c'est ce qui se passe chez nous. On va, on fraise avec les fraiseurs artisanaux et on apporte l'opéramat qui va en SMB ou ce qui se passe dans les radicales. La petite mine, c'est la phase où on va petit à petit vers une petite mutation, une petite mécanisation. On a notamment, on peut avoir des excavatrices, on peut avoir de l'audaz, on peut avoir des entités de traitement même qui donnent une petite valeur ajoutée à partir même de la mine. Quoi. Mais aujourd'hui, en réalité, ce travail-là, c'est au niveau de l'entité à couronne. Nous payons les transports sur des produits qui n'ont qu'une valeur marchande. Et c'est vers là qu'il faut effectivement aller. Mais pour y arriver, il y a des défis. Quels sont ces défis-là? Et c'est peut-être là qu'il faut peut-être travailler aussi avec l'autorité provinciale pour voir comment est-ce qu'on peut y aller un peu plus rapidement. La plus grande faiblesse qu'on a aussi, c'est l'état de nos infrastructures. Il n'y a pas de route. On en a parlé, je ne vais pas y revenir. Ça, c'est vraiment un grand défi. On ne peut pas avoir une ambition de développer notre industrie minière si on n'a pas d'infrastructure routière. Le deuxième élément majeur, c'est quoi? C'est les déficits par rapport à l'énergie. Si on a l'énergie, on peut déjà travailler et transformer localement. Ça, c'est aussi un grand défi. Le dernier, c'est la sécurité. Et là, il faut vraiment toucher du bois. La situation du Radical s'est beaucoup améliorée. Et on espère qu'elle va aller d'avant, même dans le Massissi. Mais dans le Massissi, par exemple, dernièrement, on a eu des expériences
négatives dernièrement où les groupes armés sont passés par les mines. Heureusement qu'ils n'ont pas leur feu au mine. Sinon, peut-être qu'on ne serait même pas en train de travailler ici, quoi, et qu'opérément, où ils auraient été affectés. L'autre difficulté, c'est l'accès des au financement. On a parlé des banques ici. Les banques, chez nous, ne nous donnent pas de l'argent. Quand bien même on nous donne de l'argent, c'est à des trucs qui sont excessifs. Parce qu'on est considéré comme entre guillemets un pays à risque, c'est un facteur aussi, un secteur qui est très volatile où les prix montent et descendent. Et enfin, avoir un régime fiscal, douanier et d'échange compétitif. On est en train de parler du code minier ici. Nous avons la particularité à l'Est ici, c'est d'avoir aussi des pays voisins qui ont peut-être une fiscalité qui est plus incitative. C'est aussi une raison qui va vers la France. Quoi. On a une réunion à Kinshasa où on était en train de parler de fiscalité compétitive. Quelque chose qui est très important. Madame, vous avez représenté à cette réunion-là pour voir effectivement comment est-ce qu'on va avoir une fiscalité qui est pratiquement la même au niveau de la région. Si en face, ils sont moins chers, les gens ont tendance à avoir plus de monde à passer du côté de l'autre. Ça, c'est aussi une façon de calculer notre gouvernement pour voir les autorités, pour voir la paix, comment est-ce qu'on peut aller. Je vais m'arrêter là et peut-être qu'on pourra donner plus de détails. Merci madame. Je voulais compléter un peu. D'abord, je voulais préciser que la problématique de la sécurité de la mine est à plusieurs responsabilités. Je crois que le ministère de la la loi, c'est-à-dire la commune de 2012, 2002,
sévère, de loi civile, que c'est seulement les femmes enceintes qui ne sont pas autorisées de travailler sur les cimiers. Mais cela est souvent interprété et perçu comme toutes les femmes ne sont pas autorisées de travailler dans les cimiers. C'est un petit exemple, mais on a trouvé que la loi n'est pas très bien connue ni enfoncée dans les cimiers. Il y a aussi des défis économiques, c'est clair. L'accès des crédits, c'est la même chose pour les hommes, je pense, dans le secteur artisanal. Mais pour les femmes aussi, c'est une question de prendre le même montant de l'argent et faire le même sens, le même type de travail. Et là, vous rémunérez à Creuse, il fait le même type de travail, il prendra le même montant de l'argent. Bon, il y a beaucoup des autres défis, et je pense pour nous, c'est à nous tous de travailler pour améliorer les vies des femmes et des hommes sur les cimiers. C'est à les services étatiques pour bien expliquer et appliquer la loi, ça veut dire le premier. C'est à la société civile d'être sur site et de voir ce qui se passe, ça veut dire la violence sexuelle et les autres défis que les femmes ont. Et c'est aussi à l'intérieur d'être sûr que les femmes sont là. Sont dans les réunions, sont dans les formations, sont dans les comités de gestion. C'est à l'intérieur et par la technique qui sont dans notre site. Alors pour moi, c'est une question de travailler tous ensemble. Il faut que les hommes et les femmes on travaille tous ensemble et on jette cette image d'une victime. Pour moi, je pense que ça, c'est le solution qu'on peut prendre pour améliorer le système. Je vous remercie. Merci. A été adressé à Henri. Et une question a été adressée. Un bon moment. Merci. C'est pas oui. C'est depuis 2015 que nous avons la République et on met en place plein de réseaux nationaux des femmes dans le pays. La première conférence a eu lieu en novembre 2015 et la deuxième vient d'être installé en 2017. Il faut dire que donc le gouvernement de la République a été élu par différents rapports des enquêtes sur la condition de la femme. Il faudra que la femme soit exclue du secteur minier, mais il faut comprendre les conditions de travail dans lesquelles les femmes travaillent. Les améliorer pour qu'elles soient actrices du développement. Le secteur minier est un secteur porteur de croissance. Donc, les femmes, tout autant que les hommes, peuvent vivre décemment de l'activité minière, comme toute autre activité économique. Mais l'essentiel, c'est les capacités de les soutenir, et c'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de l'Union, c'est pour moi. Au niveau national, il y a déjà un comité de pilotage et qui devrait être impliqué au niveau de toute la province. Quand nous avons participé à la deuxième conférence de l'Ouachi, nous avons fait une restitution au ministre provincial de Mines, comme on nous l'a dit tout à l'heure. Et dans les prochains jours, nous allons organiser, sous le patronage de son excellence monsieur le gouvernement de province, une grande séance de restitution. À l'attention de toutes les femmes, parce que le RNFM regroupe les femmes du secteur privé, du secteur public, de la police des mines, les femmes qui sont dans la recherche scientifique, les femmes qui sont policières dans la police des mines, donc toutes les femmes qui ont comme activité principale le secteur minier sont conviées à faire partie du RNFM. Et c'est à travers le RNFM que les stratégies seront mises en place pour améliorer les conditions des femmes dans le secteur minier et les donner une marche à l'autre de la femme. Donc il n'est pas bon d'exclure la femme dans le secteur minier, mais il faut la capacité, l'outil et même soutenir le financement pour que cette évolution de son travail soit améliorée. Et les stratégies de la recherche, elles doivent s'activer.
aussi puis vous, il y a une femme qui a fait sa thèse de devoir sur les conditions des femmes dans les mines au niveau du château là et du territoire des mines. Donc, et même bien le courant de cette situation, les jeunes filles pour s'orienter de plus en plus dans les sciences, dans les filières qui traitent des questions des sciences de la terre. Et il ne faut pas que les femmes se présentent comme des victimes, celles qui sont dans la législation, dans le monde, c'est ce que comme c'était un mari que nous encourageons. Doivent s'organiser et créer une plateforme des chercheuses de femmes qui sont dans la recherche de pour qu'elles puissent aider le gouvernement avec des propositions en fait pour améliorer les conditions des femmes dans le secteur où nous sommes. Je voudrais d'abord vous expliquer cet événement, tout en participant, d'avoir répondu à nos invitations et vous assurer que votre présence à la justice est un grand témoignage de votre amitié ainsi que de votre succès volontaire et historique à mon ministère et pas le projet au gouvernement projetaire. Je m'en vais alors pour présenter très brièvement les grandes d'exploitation et la gouvernance de ressources minières dans notre province. Bien entendu, sans aucune préparation et possibilité, et c'est à l'écran, parce que nous donnons l'importance de réaliser l'activité sur une table ronde pour toutes les questions d'actualité qui émanent des secteurs des mines dans notre province. Bien entendu, ce sont aux questions qui amèneront les collègues panélistes à aider les secondaires. À éclairer les zones d'ombre pour les rectifier sur les enjeux et les défis du secteur minier. Cet exposé consiste à tous. S'articule autour du potentiel lié des bons ouvrages, les contextes de la production et de la commercialisation des minerais, la construction du secteur minier à l'essor des bonnes populations. Vous savez déjà, le gouvernement professeur de Mandjibou a pris à faire des résolutions organisées chaque année en synergie avec les partenaires techniques et financiers, les festivités de la journée internationale des métiers, dite Mind Day du Mandjibou, sous les hauts personnages de son excellence sur le gouvernement des provinces. Que nous avons encore le plaisir d'avoir dans cette salle pour être soutenir les activités du ministère commercial de l'énergie. Trois émissions ont déjà été organisées et nous en sommes à la quatrième et nous serons aussi importants que ça démontre avec comme thème principal vers une croissance économique par la formalisation de l'artisanat minier et l'émergence. De l'industrie minière au nord du la province du nord du avec ce fréquentaire de 632 km², pour environ 10 millions d'habitants, récolte des montées de ressources naturelles et elle est un éldorado à mettre en valeur pour partir de l'économie prospère sans que les ressources. Le secteur minier est le secteur porteur de l'économie, mais ne peut pas confronter la France des filières internes et externes, notamment la faute et la concurrence minière, la minorité des infrastructures de base, telles le route et l'énergie, la suspension partielle totale des activités. La fluctuation de cours des métaux sur le marché mondial, les boycotts de nos minéraux qui sont des fois fort malheureusement qualifiés de minéraux. L'exploitation de la province du Nord du Coup reste essentiellement artisanale et sa part dans les exportations est quelque peu appréciable.
Pourtant, on va apporter les différences. La situation de l'exportation à l'échelle à Montagné se présente de la manière suivante. Pour la qualité de l'huile, nous avons pu exporter environ 1250 tonnes qui ont rapporté environ 10 millions de dollars. Pour les coltans, nous avons exporté 920 tonnes dont la valeur serait estimée à 26 121 933 dollars. Pour la longue, nous avons pu exporter 6 tonnes et 404 kilos dont la valeur est estimée à 59 986 dollars. Pour les pierres de couvert, nous avons exporté environ 24 tonnes d'une valeur de 35 000 dollars. La production de l'or, quand sélectionnée par la suite, n'est pas tracée, nous ne disposons pas des statistiques. Au total, les exportations des minerais, notamment les portées, le bien de l'or, de l'or, ont pu générer un rapprochement des devises de l'ordre de 36 214 dollars américains. Ici, le sujet de la compagnie de l'ordre est exploité dans notre province. Leur position n'est pas passée et en conséquence, la commercialisation ne contribue pas à aux recettes de notre province. Il y a donc lieu d'ouvrir tous les partages et d'améliorer toutes les velléités conductuelles pour ainsi capitaliser les chances de bénéficier de ce don de la nature. Aussi, les banques qui courent encore sur la position, une diversité de minéraux dont les intérêts très peu connus. De là, l'importance de cette situation et la nécessité de mettre à profit pour maximiser l'exploitation minière. Dans le souci d'éradiquer les consommateurs qui sont les mineurs, un système de traçabilité reposant sur les respects des recommandations et produits nationaux et internationaux se porte bien malgré les défaillances. Ainsi, pour se conformer aux recommandations de l'OCDE, ainsi qu'à celle de tous les secteurs des Nations Unies, près de 66 signés d'exploitation artisanale ont été qualifiés et validés vers 39 signes d'exploitation artisanale, communément appelés VEA, ont été élevés sur l'ensemble de notre province. Cette année 2017, 3620 créateurs artisanaux ont été enregistrés et ont acquis les cartes auprès de la division commerciale de l'UNI. Aussi, environ 275 négociants et négociants livrent les minéraux achetés auprès de ces créateurs artisanaux à une dizaine de sociétés de traitement des minéraux qui ont reçu une exportation vers les États-Unis, en Asie et en Europe. Un fonds de développement de la province a été créé et le ressources issues de ce fonds ont permis de jeter deux ponts sur les rivières Mumba et même sur la route Sakimansi et l'érection des plans de Lénine à Goma, dont les travaux se poursuivent jusqu'au début, a vu de l'intégration de tous les services administratifs et techniques de l'UNE, dont les cadastres réunis pour le suivi des dossiers publics. Ces ressources facilitent également les moyens à l'État de certains actes de
de loi scientifique que de loi légale. Toujours à partir de ces fonds, son référence est aussi le gouvernement de province. Il vient de prendre la ferme décision d'aménager un aéroport moyen-calme. Il ne vous souvient pas que les atterrissages à la bibliothèque de Kilambo ont été récemment interdits par les autorités de l'aéronautique. Pour ces derniers territoires, une bonne expérience de réalisation de certaines destinées est à l'exécution dans un endroit dénommé Kalaïwink, où les exploitants privés artisanaux bénéficient des résultats de l'étude géologique réalisée par les groupes de géologues congolais, ainsi que les matériels nécessaires à l'exploitation minière, action menée dans le cadre du partenariat public. La finalité de cette action est de mettre en évidence des jugements ou erreurs des exploitants miniers artisanaux avec un mouvement de mécanisation constituant ainsi la progression vers la périphérie. En outre, bien que la femme reste nationalisée dans cette activité, elle contribue énormément à son sort. Et pour la participation de l'actif de la petite commerce, le petit commerce et les prestations de services, et elle mérite d'être en image. Seule la jeune fille reste trop en marge, s'intéressant peu aux géosciences ainsi qu'à la recherche opérationnelle dans le secteur minier. Cette exploitation artisanale provoque souvent des frictions entre les détenteurs de titres miniers, fonction qui mérite une attention toute particulière de l'autorité compétente et une difficulté de résolution de ces conflits. La résolution de ces conflits peut avoir comme condition la préparation de la pré-crise si certains exploitants miniers artisanaux sont sensibilisés pour la pratique d'autres métiers. Dès le cas de certains exploitants miniers artisanaux déficitaires en territoire local, qui cherchent à être embauchés dans la société en famille et d'autres voulant avoir un capital de départ comme capital dénommé seed revenue. La promotion d'artisanat minier et sa migration vers la périphérie est très importante, mais il est aussi impérieux de promouvoir l'implantation des activités minières industrielles sur lesquelles devraient se réaliser des activités économiques autres que minières et une série d'actions liées au développement, à la protection de l'environnement et au développement relevant de sa responsabilité sociétale des entreprises. Je veux à titre purement illustratif, citer la diaspora, qui est une structure d'encadrement des projets de développement initiés par Alphabet Systémanique, négociés avec la population minière de ce site à Oricale. D'autres actions en faveur des populations minières des sites miniers sont également réalisées à l'Ouest et à territoire de Massif. Dans les cadres du protocole d'accord et du partenariat client, la société minière de distribution est limitée à la coopération. Les réserves minières étant épuisables, les exploitants miniers artisanaux devraient être avertis de la manière permanente pour qu'ils soient prêts à affronter la crise sans les intérêts classiques. Il est évident que les jugements artificiels seront constitués à travers le monde auquel les consommateurs du monde pourront découvrir à partir par des jugements traditionnels. Excellences, Monsieur le Gouverneur, honorables députés provinciaux, excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, provinciaux et chers collègues,
débat au cours duquel les questions collectives et transversales seront adressées aux panélistes qui y apporteront en tant que doute des réponses actuellement, chacun suivant les thèmes préparés par lui, comme le dit le programme en écrit à vos médias. À définitive de ce participant, à la suite du jeu des questions de cause, des recommandations seront formulées et un exposé de synthèse des travaux sera présenté par la modération. Excellence, monsieur le gouverneur de province, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable député, monsieur le maire de Louvain, monsieur le grand du corps académique scientifique de nos différentes universités, sur l'enseignement supérieur, très chers chercheurs, messieurs et mesdames les opérateurs, les directeurs de l'Union en province, mesdames et messieurs les responsables des services administratifs du secteur minier, 13 membres participants, merci de votre attention. Que je dise que c'est au nom du directeur général, M. Richard Robinson, que mon instrument, je vais l'introduire ici à ce moment, oui. En étant son avocat de sa société. Merci, maître Init. Nous voulons vous entendre. Bien. Bien. En fait, j'ai trouvé que c'est mon instrument que je le fais en une place. Brièvement, je note que l'ensemble des questions posées à la société, c'est des questions qui tournent autour du thème central, développement communautaire ou développement local ou développement économique. Certains ont voulu savoir comment on conçoit en fait le développement au sens que nous avons. Est-ce que quel est le processus de sa conception? D'autres ont voulu également savoir si cette perspective de développement est, qu'est-ce que nous avons déjà fait. Et d'autres encore souhaitaient que nous disions pourquoi nous avons pris ces thèmes. Je vais juste répondre à cette question en disant d'abord que le thème n'a pas été choisi par nous, quand bien même nous l'avons jamais réfléchi. Le thème a été choisi par les organisateurs. Et on a demandé qu'en famille nous traite de cette question-là. Donc la famille n'a pas fait le choix d'éviter de traiter la question. Quel est le contenu en fait du développement? Il est préférable de noter que la famille d'ici et Maïli détient un permis d'exploitation à partir de l'année 2015. Et que pendant la phase de l'implantation de la mine, Alpha Mine a tenu à répondre à un certain nombre de demandes, mais aussi a eu à bénéficier de certaines actions d'accompagnement. Je voudrais, avant d'aborder les devoirs de Alpha Mine, aborder la question en rapport avec les initiatives d'accompagnement. Peut-être quand je vais dire cela, si son excellence, le gouverneur me le dit, il pourrait peut-être maintenant aller faire une chose de rendre la peine que pour la famine, nous avons été particulièrement marqués par la mise en place de ce que désormais on appelle KIMP. C'est un congrès d'accompagnement de l'implantation de la mine et du ski. Nous sommes dans un pays où la littérature nous présente souvent comme un pays qui n'encourage pas les initiatives d'affaires. Et quand son excellence le gouverneur a pris cette arrêté a été balancé sur tous les sites du monde et les gens ont compris qu'en province du Nord-Kivu,
famille, nous avons les KMB. Les actionnaires ont été très sérieusement affectés positivement par cette initiative. Merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Merci également à votre gouvernement provincial d'accompagner sérieusement et sensiblement la société. Vient maintenant la question de savoir, quel est le contenu du développement pour la famille. Ici, il y a plusieurs écoles et la famille a préféré les normes participatives. Il y en a qui pensent qu'il faut compter A, B, C, D comme action pour le développement pour un peuple. Ils viennent avec ces cadres-là et ils commencent à faire ce qu'ils ont pensé eux-mêmes. La famille a voulu, pour sa part, faire le chemin de participation. Ça veut dire que la famille s'est ramenée vers les communautés locales, bien entendu, celles qui sont à l'Europe de la mine, et on leur a posé des questions en termes de savoir qu'est-ce qu'elles veulent. Bien entendu, ce processus est aussi validé à plusieurs niveaux. Le territoire de Rwanda est des lieux d'installation de la famine étant un territoire qui a également un certain nombre de penseurs. On a reçu de plus en plus leurs nombreux apports pour savoir ce qu'il faut faire effectivement à Rwanda. Mais ce qu'il faut faire à Rwanda, c'est une chose. Comment le faire? C'était également une autre question à laquelle la société a tenu encore à répondre en disant nous n'allons pas avoir une culture interne à la société qui exécute le programme de développement pour Wanikale. Il faut que nous fassions un cadre. Et le cadre, c'est l'Alliance Laure. L'Alliance Laure en lui-même est la fille, n'est-ce pas, la fille aînée du protocole que la société a eu à signer avec les communautés de Wanikale. L'Alliance Laure, c'est le cadre qui exécute les projets qui ont été conçus et centralisés par les communautés locales, de développement, les communautés de base. Ça, c'est juste en termes de l'action par rapport à l'environnement. Je serais incomplet si je ne disais pas également que la vie de la famine ou la vie de la mine de Bissier, c'est une vie scientifiquement appréciée à 12-13 ans. Durant ces années, Alpha Mine aura effectivement, et l'initiative a déjà commencé, aura, pendant la phase de construction, qui est la phase actuelle, à utiliser plus ou moins 700 personnes. Ça, c'est en termes d'emploi. Et il y aura 450 postes permanents pendant tout le temps de la vie de la mine. 450 postes permanents avec, bien entendu, des emplois indirects qui sont statistiquement appréciés à plus ou moins 6500 emplois. Ça veut dire que pour les communautés de Wanikale, la présence des Alpha Mine, au-delà de tout ce dont je veux parler en termes musicales, sa présence est simplement par le fait même à un entraînement en termes de développement économique du lieu. Mais est-ce que Alpha Mine va simplement avoir des relations seulement avec les populations de Wanikale? Alpha Mine a des devoirs fiscaux, des devoirs fiscaux. Et en termes de devoirs en fiscalité, pendant le temps de la vie de la mine, Alpha Mine attend ou planifie de payer près de 815 millions de dollars au gouvernement central. Et près de 254 millions au gouvernement provincial. Si l'on se met à lire ou à scruter les textes, essentiellement l'article, essentiellement le code parlant de la répartition de redevances minières,
5% devrait être confié à la province et 15% devrait être rétrocédé au territoire d'où proviennent les minéraux. Ça veut dire qu'à un certain moment, dans les 815 millions, il y a de nouveau une part importante pour la province. Je ne suis pas très expert en calcul, mais j'ai à côté de moi un homme de science. Si on doit prendre 40% de 300 millions, qui devrait 300 millions, qui devrait également intervenir encore au niveau de la province. Et 15%, c'est peut-être 120. Presque 120 millions qui devraient aussi aller de nouveau à la société territoriale. C'est ici le lieu de dire en fait que l'activité minière à 9 heures, surtout quand elle est industrielle, elle peut effectivement booster l'économie tant du territoire de la province que de la République. À la condition bien entendu que chaque partie joue convenablement sa carte, que chaque partie joue aussi la sincérité des textes de façon à ce qu'on puisse avancer. Qu'est-ce que la famine a fait jusqu'à maintenant? Je ne saurais pas être... Je veux discuter de façon qualitative parce que même pendant que nous sommes en train de parler, d'autres choses sont en train d'être faites sur le terrain. La famine a effectivement lancé une route entre Logo et Issié, en essayant par le fait même de libérer toutes les populations en résidant à cette route-là, de leur donner l'accès facile au monde habituel. Afamine a participé, et ça en étant accompagné par le gouvernement provincial, a été intervenu avec un capital frais de plus ou moins 5,4 millions pour essayer de donner un coup de main sur la route qui est en train d'être le problème dont a parlé Jean Canini s'agissant du long trajet qu'on est en train de faire aujourd'hui. À la famille, en accord avec le gouvernement provincial, a mis sur la table un montant de 5 millions pour essayer de faire quelque chose. Conclusion. Conclusion, c'est que la famille a travaillé et la famille souhaite que toutes les parties prenantes jouent franc jeu et la famille invite les populations de la province du Nord-Kivu en général et celle du territoire de Walikale à l'accompagner pour que cette mine devienne une mine de référence dans le monde pour le développement de notre province et de notre territoire. Je ne dis pas parce que ma mère m'a dit non plus, je n'ai pas cité tout ce qu'on a déjà fait. Je pense que c'est lui qui aura une autre question à rapport avec. Je pense que j'ai dit que les femmes sont exclues. Oui. C'est clair, ils sont exclus. Ils sont exclus dans trois manières, je pense. Ils sont exclus dans une manière qui a un manque ou un mal compréhension d'informations. J'ai déjà parlé de code minier, mais aussi, je pense, si nous parlons franchement, qu'il y a aussi des perceptions coutumières, que si une femme arrive sur le site, que tu les minerais va disparaître. Bon, c'est clair, et je pense qu'il y a des sites miniers qui ont des sentiments coutumiers. Et ça, c'est une question qui est très sensible. Ça, c'est pas quelque chose qu'un ONG ou un partenaire technique peut venir et changer. Le changement de comportement vient de l'éducation, il vient de la compréhension qu'ensemble, les femmes et les hommes peuvent plus améliorer leur secteur ensemble. Il y a aussi un défi économique. Je pense que ça c'est peut-être le défi qui est le plus grave. Les familles sont exclues dans une manière du travail parce qu'il y a des perceptions de ce que les femmes peuvent ou
pas faire, de les signer. Mais il y a aussi des questions d'accès des crédits. Il y a des questions de exclusion d'autorité et de capacité de prendre des décisions, sur les sites. Ça, c'est pas, ça ne touche pas seulement notre secteur. Ça, c'est des défis qui sont partout dans le monde pour les femmes. Mais c'est clair que dans le secteur minier, c'est plus clair. Et on voit que, comme j'avais dit avant, il y a un sens que les femmes sont invisibles là-bas. Ou il y a une image qui sont seulement des victimes. Alors, si vous êtes exclus dans une manière économique, dans une manière qui a une mal connaissance d'information, ou dans l'accès de participer dans une voie motive, je pense que c'est une discussion pour les communautés, pour la voie motive, pour le service étatique. Il y a des agents de système qui sont là, pas seulement pour les hommes, mais pour les femmes aussi, pour s'assurer que la loi est bien appliquée, que les femmes sont bien protégées et qu'ensemble, le secteur peut avancer. Alors, je pense que si les femmes se trouvent qui sont exclues, c'est à nous tous de gérer les femmes. Ce n'est pas seulement une question pour les femmes eux-mêmes, c'est à nous tous. Je pense que je reste là. Merci. Merci pour la parole. En fait, un peu de temps, je voulais enchaîner les explications de Madame Lafayette et du chef de division. La gestion, c'est la connaissance, c'est l'exploration, Madame, c'est l'exploitation. C'est de faire l'étude de la planète Terre. Avec tout ce que ça dérange comme système de gauche. Là, c'est le monde de scientifique. C'est faire des études de substances minérales, l'eau, le sol et l'énergie. Éventuellement, vous voyez aussi des études de volcanologie, des études physiques et des études des risques naturels sous toutes les formes. La géoscience minérale a des applications. Sous le milieu, je l'ai suivi, l'environnement et même dans la gestion des risques. C'est pour faire de saisir la science. Dans le mine, il faut faire la prospection, il faut faire l'exploration, il faut explorer. Mais dans la gestion civile, il y a la stabilité d'ouvrage, il y a les travaux minières, les ports et l'or, l'approvisionnement des matériaux de construction. Et dans l'environnement, vous avez la production et la gestion des déchets. Perte des déchets dans les formations artisanales. Où sont les femmes fortes qui mènent des études dans les cadres? Il y a aussi la gestion des risques, prévention, éruption, séisme, glissement de l'air. Tout ce qui n'est pas accompli des scientifiques. Mais qu'est-ce que nous recommandons? Dans toutes les applications, prenons les mines. Ça, il faut se regrouper dans des niveaux de recherche pour être en mesure à ce jour de quantifier et de qualifier. D'autant plus que nous avons beaucoup de réserves. Les jeunes de l'Union n'ont pas parlé. Où sont les recherches sur les terres rares? L'émission à ce jour va monter au rayon. Les circons vont monter au rayon, bien sûr, avec la romantique. Ça, ce sont des applications de la géoscience. Aujourd'hui, nous avons du mal à stabiliser nos routes. Mais où sont les études pour trouver les matériaux de chargement pour le port de province par une cartographie qui est faite en ce moment-là? Sur les zones rurales, on peut en vue d'orienter la population où on charge. Et c'est du présent qu'on peut stabiliser la route. Mais l'eau, qui est non seulement la ressource, l'eau qui produit l'électricité dans une province où nous avons même la géothermie et hydroélectrique et la thermie, tout est dans cette province d'autant plus dans les zones de proximité. Ça, madame, la femme n'a qu'à saisir les études de la planète, de s'y approcher, de se joindre à beaucoup de niveaux de. C'est à ce type-là seulement qu'elle aura sa place dans la géoscience. Merci. Merci. On a aussi une disposition légale qui exclut quand elle appelle discriminatoire
dans le secteur minier. C'est vrai qu'il y avait un article qui parlait de l'éligibilité. Dans les personnes non éligibles, il y avait la femme mariée, parce que l'ancien mot de la famille parlait de l'incapacité juridique de la femme. Mais aujourd'hui, avec le nouveau mot de la famille, on a fait sauver ces mots-là. Donc, il n'y a aucune disposition qui a un caractère discriminatoire de la femme. Mais il faut que la femme se jette à l'eau. Il n'y a personne qui interdit aux filles d'aller vers les sciences de la paix. Mais s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes de discrimination, à cause des facteurs liés aux coutumes de certaines, dans certaines parties du pays, c'est pourquoi le gouvernement a imaginé ce réseau. Il veut vraiment formaliser, après avoir obtenu une personnalité juridique au niveau national, ce réseau-là se trouve en cours de province pour écouter les femmes. Celles qui sont là, déjà, si elles sont plongées aux discriminations, elles auront un accompagnement. Mais il ne faut pas rester à l'écart et se présenter comme victime. Il faut aller poser déjà. Donc, il y a des femmes qui sont déjà dans le domaine de sciences de la paix, c'est pour que nous appuyons pour vous qui ont les capacités. Mais il faut qu'elles aient au-delà. Qu'elles se regroupent en bureau d'études, qu'elles aient un nécessaire. Et puis, comme ça, ils vont commencer à rester, à présenter, à travailler comme des sous-traitants, et peut-être à se soucier à d'autres pour se faire connaître le jour. Mais l'accompagnement, il est là. C'est pourquoi nous faisons ce niveau pour vous assurer qu'il existe un accompagnement pour les femmes. Il n'y a personne qui est exclu, qu'il faut approcher une affaire. Je pense que si dans la salle, il y a d'autres femmes qui ont déjà participé à première conférence, mais il ne faut pas rester là, il faut aller vers l'avant. Par rapport à ce que Maître Khalid a dit, il y a beaucoup de questions qui sont toujours posées à propos de la responsabilité sociale de l'entreprise. Souvent, on a tendance à vouloir voir quelque chose de matériel, d'immédiat. On veut voir une route, on veut voir une ville, on veut voir une centrale hydroélectrique. Mais mes frères, mes sœurs, avons-nous fait la recherche de savoir combien de cerveaux ont été formés autour, grâce au secteur minier? Prenons les Katanga, autour de la Gécamie, l'Union minière de Katanga et Gécamie, autour de la Miba, autour de la Somonki, Kilomoto, etc. Beaucoup oublient qu'à un moment donné, les Sud-Africains venaient se faire soigner en Lubumbashi, grâce aux meilleures infrastructures sanitaires qui existaient à l'époque. Beaucoup de gens oublient qu'on a fait l'une des meilleures écoles de la planète, la meilleure école technique, à Moutoshi-Kaproïs, qui n'avait rien envie avec aux écoles d'énergie d'ailleurs. Mais tout ça, malheureusement, à un moment donné, quand quelques-uns ont dit qu'il fallait chasser les noms originaires, les capitales humaines, la Gécamie avait la meilleure politique d'africanisation des cadres. Tous ces cerveaux, ils sont aujourd'hui partis. Mais il y en a qui sont encore au Congo. Donc, si Alpha 1000 s'installe à Walikale, ne voyons pas directement les cadres immédiats en route. Voyez même quelques cerveaux qui seront formés pour lui, peut-être des spécialistes en cancérologie, quoi que sais-je. Et même des chercheurs qui vont se lancer dans le nouveau domaine comme les biomimétismes, toute la forêt de Walikale. Il y a beaucoup de choses que l'humanité voudrait découvrir. Les biomimétismes aujourd'hui, les Américains, toutes les nations sont en train de se lancer dedans parce que c'est ce qui leur permet de faire face à certains défis, notamment les dépistages du cancer. Les Américains ont découvert un système de dépistage du cancer en imitant juste un petit insecte là qui a la meilleure aptitude visuelle. Donc, il y a beaucoup de choses que Walikale peut dévoiler au monde pour au moins à travers la présence de la famille. Pas les plus, mais pas d'autres gens qui vont faire des recherches. Mais surtout pas les cerveaux qui seront formés. Ne regardons pas toujours les matériels, combien d'argent on fait là, combien de minutes, combien de minutes. Non, les cerveaux n'ont aucune valeur, les cerveaux sont pour toute l'humanité. Valeur immense. Valeur immense. Merci, Emmanuel. Vous provoquez les masses, vous continuez à nous parler. Ah.
par les hommes, mais aussi en deuxième lieu, il y a aussi des problèmes de moyens. Il y a des problèmes de moyens parce que c'est dans les universités, les études scientifiques, chez les scientifiques, coûtent extrêmement cher. Et il y a en fait avec la conjoncture économique du pays, il peut en fait être une raison pour laquelle les femmes sont nécessaires. Je veux peut-être aussi attirer l'attention de tout le monde dans le fait où nous tous avons une responsabilité si nous voulons impliquer la femme dans le géosciences, nous avons une responsabilité dans les jeunes. Parce que chacun, ici, là, ceux qui ont des sociétés où ils peuvent engager des géologues, des géographes, c'est avant que le lion commence à essayer de engager déjà la société de femmes, et c'est là qu'on continue à la réalisation même de l'importance de la femme à faire des géosciences. Nous avons aussi des universités qui devront réfléchir au droit de se développer les mécanismes d'assurer pour ce qui est pour les femmes, les sortes que les femmes puissent en quelque sorte embrasser. Et je vais aussi parler de l'université de Rome dans ce sens parce qu'il y a en fait des frais qui ont été affichés pour les femmes, pour les femmes, les hommes qui embrassent en fait la faculté des sciences du département de géologie. Donc, à tous les niveaux, nous avons une responsabilité, à tous les niveaux, nous devons mobiliser des sciences pour les femmes, principalement les sciences. Merci beaucoup. Vous allez vous présenter et donner brièvement votre question. Je commence ici. Merci pour la parole. Les respectués présentants des textes et des exposés, pour moi, je réponds au nom de Balthazar Kanyamanza. Je suis le ministre provincial en gestion de l'environnement, de la culture et des arts. Ma réaction repose d'abord sur deux constats. D'abord, les minéraux constituent réellement un atout de développement. Au Nord Kivu, les minéraux peuvent booster, comme vous l'avez dit, l'économie et le développement de la province. Toutefois, nous remarquons que les minéraux sont très convoités dans la zone forestière, de sorte que c'est plutôt un objet ou bien une aspiration du danger. C'est-à-dire, les problèmes sociaux et sécuritaires que nous connaissons sont souvent conséquences de la présence des minéraux. Même la présence des forces négatives peut se justifier par la présence des minéraux dans ces zones. Alors, d'une façon opposée, dans la typo, comment les sociétés exploitantes s'investissent-ils dans la sécurisation de leur milieu d'exploitation pour que réellement la sécurité soit exactement aussi leur rôle, bien que ça devienne leur responsabilité au second plan? Deuxième préoccupation, les minéraux constituent réellement une ressource épuisable, dont non renouvelable. À notre surprise, nous constatons que seule la course vers le lucre financier prime au détriment des aspects environnementaux. C'est-à-dire, pollution des rivières, quand ils lavent leurs minéraux. Pollution des lacs, destruction des écosystèmes, et même la déforestation. Alors, pour ne pas dire aussi la dépravation des mœurs, parce que les sites miniers sont devenus également des lieux où les mœurs et les coutumes sont totalement dépravés. Et sur ce, nous serions édifiés de voir les exploitants ne pas esquiver ou se dérober à leur devoir des textes du Code forestier et se soumettre à leur devoir. Car c'est un constat, en tant que ministre provincial, tous les exploitants ont tendance à esquiver
ou bien à passer au-dessus par, je ne sais pas quelle fenêtre, et apparaître sur le terrain sans tenir compte des aspects environnementaux, spécialement quand nous avons encore une agence d'études environnementales ici à Goma. Mais si on demandait à un chacun quel certificat dont il dispose, il faut dire que c'est venu de ne sais pas quel cieux et signé par n'importe quel mystère, je ne sais pas quel parc, pour ne pas citer quelqu'un. Ce sera une observation ou bien une recommandation que j'avais à formuler. Je vous remercie. Ou dans la directrice. Je suis Dunia Bakarani et j'ai la SOFECA. Ma question va tout droit à John Canyon. Comment on va quitter la phase de l'exploitation artisanale à la petite mine dès lors que il y a un blocage au niveau du cadastre minier? Aujourd'hui, le guichet est fermé, demain, le guichet est ouvert. En tant que vice-président de la Chambre de mines au niveau national, comment comptez-vous régler ce problème? De deux, pour ne pas revenir au bilan que vous veniez de nous présenter, le manque à gagner qui a été constaté lors de la suspension des exportations par rapport à la hausse de prix à l'exportation pour les royalties. Comment comptez-vous trouver une solution à ces problèmes dès lors que le CAMI n'attribue plus les carrés miniers? Et je crois que ça, c'est un problème majeur. On ne saura pas passer à la PEPM sans que le guichet soit ouvert. C'est une équation à plusieurs économies. Ma deuxième question va tout droit à Honorable Seninga pour sa double casquette, comme président de la Coopérama, mais en même temps député provincial. Monsieur le président de la Coopérama, comment comptez-vous régler le conflit qui oppose les exploitants artisanaux aux concessionnaires dès lors que nous assistons au non-respect des contrats qui vous lient? Et comment est-ce que cet exploitant artisanal va se retrouver? Mettez-vous un peu à sa place. Il travaille du 1er au 31 et le produit qu'il apporte, il doit attendre que la coopérative vienne lui payer un mois, deux mois, trois mois après. C'est ce retard aussi qui est responsable de la fraude. Parce que le fraudeur se présente avec de l'argent cash à la main. Alors, il est tenté de vendre le produit au fraudeur que d'amener le produit au concessionnaire. Tout simplement parce que il y a ce facteur-là de retard de paiement, voire aussi le prix. Si vous leur donnez un prix bas alors que le fraudeur va donner un prix qui est au taux du jour, voilà quelque chose qui pousse les exploitants artisanaux à traiter avec les fraudeurs. Parce que si les fraudeurs n'ont pas la bénédiction des exploitants artisanaux, ils ne vont pas se retrouver. Vaille coûte que coûte, ça ne va pas marcher. Ma dernière question va tout droit au ministre provincial. Excellence, monsieur le ministre, nous avons suivi votre présentation par rapport à la réalisation sur terrain aux actifs sociaux. Mais lorsque nous suivons les exportations comme telles que vous l'avez présentées, la quantité de tonnes qui ont été exportées ne correspond pas à la réalisation du développement sur le terrain. La population locale ne se retrouve pas. Il y a deux jours, j'étais à Rubaya, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de centrale hydroélectrique. Malgré les chutes qui environnent la cité de Rubaya, une cité qui a aujourd'hui, je crois, entre 300 et 400 000 habitants. Donc, le gouvernement, quelle est la politique du gouvernement pour que en Mining Day 2018, Mining Day 2019, on ne revienne pas sur le même constat, mais qu'on puisse toucher le palpable et aller de l'avant? Je vous remercie. Je m'appelle Alain Lamé, je suis journaliste. Je vais essentiellement intervenir sous le cadre humain. D'abord, je m'adresse à Son Excellence et ensuite à M. Daniel Ngoy. Conformément au cadre de l'OCDE sur le cadre du droit de l'homme, on est obligé de respecter certaines normes. Notre pays, ou alors notre province, est-elle à quel degré de respect des normes de l'OCDE en rapport aux droits de l'homme? Et quelles sont
prend les mesures que le maire dans les sites, mais partout, pour que le droit de l'homme soit respecté sur le site. Ensuite, dans le travail de mine, il y a beaucoup de risques. Y a-t-il une inspection chargée de veiller sur le respect de normes pour la lutte contre les risques professionnels? Ça veut dire quoi? Fournir aux miniers ou aux travailleurs là le pays pour leur protection et voir la situation environnementale de l'humain sur site. Y a-t-il des gens spécialisés dans les sorties, pour prévenir les risques professionnels qui est grave? Par exemple, pour les gens qui font le forage, c'est très grave. Est-ce qu'il y a une inscription qui a besoin de le faire? Et sur le plan industriel et sur le plan artisanal? Je vous remercie. Merci Madame la Moderatrice. Je suis Josée Clarine-Mondoto, directrice adjointe du projet État-Tech. Alors, ma première question est adressée à M. John Tagoni concernant les efforts qui sont faits par l'artisanat, c'est bon. Les exploitants miniers du Nord Kivu dans la migration vers la Guinée. Alors, je voudrais que M. Tagoni nous donne quelques éclaircissements sur la distinction entre les deux entités et comment cette transition devait se faire, étant donné que les droits des coopératives sur les céréales ne sont pas reconnus par la législation actuelle. Comment on peut encourager et s'il y a des mécanismes mis en place pour inciter les coopératives à transiter vers la petite mine. Et la deuxième question, c'est sur la pénurie. Je crois qu'on a longuement élaboré sur cette question, mais personnellement, je crois que la prairie veut aussi dire la restauration des sols. Cet aspect n'a pas été abordé. Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour la restauration des sols? Parce qu'après l'exploitation minière, surtout artisanale, où ces questions sont négligées, ces terres peuvent nous servir à d'autres activités. Est-ce que les coopératives sont formées dans ce domaine pour prendre les précautions nécessaires afin que l'environnement soit pris en compte pendant et après l'exploitation minière? Et enfin, la troisième question concerne la présentation que le ministre des Mines nous a faite ce matin concernant les statistiques des minerais en disant que l'or et je crois la tourmaline n'étaient pas passés. Pourtant, nous savons que la province produit de l'or et nous avons apparemment sur le panel quelqu'un qui devait parler des chaînes d'approvisionnement. Quels sont les efforts qui sont faits à ce niveau-là pour que l'or soit passé et puisse profiter à la province? Merci. Je m'appelle Daoud Mbawi, je suis dirigeant. Je suis agent commercial à la Cadeco. Je me sens très intéressé par le thème d'aujourd'hui. Mais je me sens un peu tiqué par le fait que vous parlez de la croissance économique, vous parlez de la production minière, vous parlez des entreprises, vous parlez de la promotion de la personne de la femme. Et dans tout ça, c'est vraiment de l'économie et de la finance. Mais malheureusement, je n'ai rien vu comme des risques où on parle de la place de la banque dans les activités minières. Est-ce que c'est un oubli ou bien vous l'aviez fait sciemment? La deuxième question s'adresse aux intervenants. Vous parlez des sommes colossales, vous parlez de l'argent. L'argent, c'est un apparage particulier des banques. Ce sont les banques qui sont appelées à manipuler la monnaie comme le militaire est appelé à manipuler l'arme. Alors, tous ces volumes d'argent dont vous parlez là, comment vous comptez les gérer sans l'intervention de la banque? Comment vous comptez au développement et à la croissance de l'homme qui intervient dans les mines sans l'intervention de la banque? Comment vous comptez gérer la pré-mine sans l'intervention de la banque? Je vous remercie. Moi, c'est Malaka Lacro, je suis chef de travail dans le télégramme. Je m'apprête à M. Paul Daniel qui s'occupe de la proposition de jurisprudence en Nord-Kivu. Nous sommes à la quatrième édition
des procès incitatifs. Le ministre avait dit que la femme s'occupe moins dans la jurisprudence. Et nous sommes à la même répétition. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour encourager la femme? Merci beaucoup, madame. Moi, c'est Angélique, la présidente du gouvernement Jara. Ma question s'adresse à Richard pour l'insolidité des entreprises minières dans le développement économique. Je voudrais savoir si c'est pour présenter ce qui a été fait ou le budget à venir. Éloignez un peu le micro. Oui, je demande qu'on va présenter les statistiques de ce qui a été fait ou de tous les projets à venir. Et est-ce que le gouvernement a la main mise sur cette responsabilité concrète, puisque chez nous, à Rouaille, à Bastidi, nous n'avons pas de sanctions dans ce sens. Merci. Merci beaucoup. Nous allons. Oui. Merci. Avec notre autorisation du président Francis Bouvard, nous allons essayer de répondre à une question très importante liée à la forme. Il est vrai que le gouvernement fournit beaucoup d'efforts. Je prends l'exemple de la province du Nord-Kivu. Au regard de la superficie, au regard des actes d'orientation française contrôlés, au regard de la logistique à notre position, la province du Nord-Kivu a fourni beaucoup d'efforts pour lutter contre la pauvreté. Pourquoi ? Parce que nous avons eu la chance d'avoir l'autorité provinciale qui lutte contre la pauvreté, qui nous accompagne, qui nous soutient. Certes que la pauvreté ne se fait pas pendant la journée, mais se fait la nuit, sur tous les axes, Massissi, Walikale, Kram. Mais le gouvernement a pris des dispositions pour mettre en place, avec l'arrêté 0739, une structure qui permettrait d'obtenir toutes les expertises dans tous les domaines de manière à être efficace. Quand vous prenez l'administration de l'île, ils ont une structure pour lutter contre la fraude minière. Mais s'ils trouvent que c'est les hommes perdus en uniforme, il ne sera pas intervenu. D'autant plus que nous sommes dans une province sans ignorer post-conflit. Et les conflits résiduels pérennisent. Certes que les efforts ont été fournis et que nous avons une paix qui nous rassure de nous attaquer à ça. C'est ainsi que vous remarquerez que dans la structure de la Commission nationale de défense de la fraude minière, nous avons le parquet général. C'est pour nous aider à porter l'expertise de la justice dans des cas où nous aurons le même problème. C'est ainsi que vous rendrez compte que nous avons l'auditorat militaire. C'est pour nous permettre d'être efficace dans l'action au moment où nous sommes en face des prévus uniformes qui s'attendent à brader sur nos minéraux. Nous avons des renseignements exclusifs et militaires. Nous avons la DGN pour vous aider à voir tous ces fraudeurs qui entrent à la frontière. Nous avons, bref, tous les services, y compris la police des lignes, qui est censée être en amont dans les sites pour essayer de nous donner des positions. Je venais de parler de la sécurité et de la logistique. Je vous donne un cas. Prenez les actes que nous avons. Lorsque vous arrivez à Minoa, les fraudeurs s'organisent avec d'autres producteurs de l'uniforme pour prendre nos minéraux qui sont en Goubou et à Oulaya et les amènent vers le lac. À Kamoumou et ils mettent l'ordre de bord pour les transférer, pour les amener dans des destinations incorrectes. De quoi connu? Est-ce que serons-nous à mesure d'intervenir si les fraudeurs ont développé un mécanisme d'aller vers la province du Sud? Nous ne sommes pas à mesure, ça c'est une excellence du gouverneur qui peut aller vers le gouverneur du Sud pour nous permettre d'arrêter ces gens de contrôle. Et donc le gouverneur l'a fait. Nous portons en reconnaissance parmi les personnes menées et la diligence.
pour aller leur annoncer la province de Sœur de Jésus-Christ, de mettre des stratégies communes pour combattre tout ce qui se passe sous les lames. Un bateau peut se traverser par un grand bord. Impossible. Voilà les défis auxquels nous sommes en train de nous battre. Mais beaucoup plus à l'interne, nous avons des difficultés parce que nos amis, les acteurs, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Ils nous soumettent à plusieurs types de forces. Je suis content qu'on parle de femmes. Ces derniers temps, c'est la femme qui est utilisée comme outil de force. C'est la femme qu'on prenne, les femmes un peu qu'on recrute sur les marchés, et on explique que la femme n'est pas totalement en équilibre, qui est allée acheter des villages avec une somme d'argent de 12 000 francs pour s'occuper de ses enfants. Les fraudeurs des marchés principalement. Donc, avec la suite du gouverneur, nous rassurons que nous allons les combattre. Nous allons les combattre, on ne va pas leur laisser l'opportunité de briser dans les autres de la politique de la ville qui sont épuisables et jamais les combattre. Donc, on prend des femmes qui vont acheter des villages, on la regarde, elle est soit enceinte, soit elle a un bébé. On explique que quand on a un bébé, on traverse les barrières facilement, quand on est enceinte, on traverse facilement. Et nous sommes en face du scandale où on voit, on prend une délinérée des enfants, on les fait sous forme de seins et on porte à la main. Pire encore, sous forme de grossesse, on les met dans les bras de l'enfant. Vous pouvez voir que nous avons entendu une scène généralisée chez ces bébés. Mais nous les retrouvons sur la thématique. Ça, c'est pour vous faire voir que, au regard des stratégies mises en place par la Commission des Unions de la Première avec le gouvernement de notre présence, nous les arrêtons. Si on sent l'odeur de la militaire, on les transfère à l'auditorat. Commission experte en traitement, ils sont censés traiter avec justice et sanctions. Si ce sont des civils, nous les transmettons au parquet. Et en ce moment-là, le parquet va prendre des dispositions pour les sanctionner. C'est ça la fête de notre présence, M. le maire. Mais la tâche n'est pas partie. On regarde les actes, on regarde les intelligences des fraudeurs. C'est ainsi que nous avons fait appel à des études spécialisées. L'année, T2, pour qu'ils se spécialisent aussi en détectant ce qui est faux. Et nous les arrêtons chaque. Ça, c'est une forme de ça. Mais qui a dérivé ailleurs, donc prochainement, on aura la chance d'en débattre. Mais il y a des données, on ne peut pas mettre à l'ordre de disposition. Au regard de la stratégie de contenu, nous pouvons continuer à discuter dans le cours. Merci beaucoup. Oui. Je voudrais apporter un élément de complément. C'est d'abord de souligner que nous ne serons pas condamnés sur la politique. Les luttes contre la fraude minière, tant la fraude minière relève des aspects sécuritaires, la lutte contre la fraude minière, ça relève des aspects sécuritaires. Je voudrais vous rassurer que la Commission nationale de lutte contre la fraude minière a mis des stratégies. Et comme l'intervenant que vous allez me mettre des souligner, nous avons l'avantage d'avoir l'appui de notre chef provincial pour la lutte contre la fraude minière. Mais ce qui vient de souligner dans vous, c'est que nous avons notre population, notamment celle constituée des fraudeurs, qui montre au jour le jour des stratégies qui relèvent de la ruse et que nous devons à notre tour aussi monter des intelligences pour détecter ces ruses afin de les combattre. Et donc, pour être rassuré, mais aussi dans le cas de cette table de ronde, montrer de l'assistance à nous aider et à vous faire membre, je dirais, comme peu de personnes en apparent, dans la lutte contre la fraude minière, c'est de renseigner la commission des cas de fraude minière. Nous devons tous attendre lutter contre la fraude minière. Ainsi qu'on le dit pour les groupes, le fonds négatif qui est écrit contre le problème de ces ressources et qui met à mal la sécurité, si on n'a pas la population avec nous, nous ne saurons pas venir à vous la fraude minière. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le mandataire. Et je remercie le professeur Jean-Paul Sillon pour avoir
mais lorsque j'ai pensé à ce thème, je ne me cadrais pas plus du côté de l'île ou encore moins des ressources naturelles en général, bien que je dois dire que les mécanismes d'accompagnement du secteur minier artisanal pour préparer la permis existe à travers les instruments juridiques, notamment aujourd'hui, le fait que dans la politique du gouvernement, à travers le ministère des mines, on évite l'évolution des exploitants artisanaux pour avoir ici appelé les deux heures en sureau. On les amène à se regrouper sous forme de coopératives. Lesquelles coopératives sont appelées à évoluer vers la petite usine et surtout à étendre les activités vers d'autres secteurs économiques de la vie nationale. Mais si j'ai pensé à parler de la PMI, c'était surtout suite à une question qui m'est à l'ordre. Comme quelqu'un se rend au contact des élèves, dans la famille, ou même au contact de l'enseignement, des étudiants, comme enseignant chargé de cours. La préparation de la PMI, pour une nation comme la nôtre, n'importe quelle nation d'elle, repose dans des cerveaux. Le système éducatif, je vois ici qu'il y a des anciens qui ont commis les portes de l'eau. Il y avait un slogan au lycée, ma meilleure dans la peau, j'ai la peau, j'ai la peau. Moi, je considère ce slogan comme un inhibiteur du cerveau, l'inhibiteur de ce que j'appellerais le syndrome de l'enfant antique. Voilà pour les gens qui ont tous à la tête, donc on a pris des fois à venir. Je vais prendre un petit exemple. Je crois dans nos villages, il y a des gens qui savent qu'il y avait des clans, des progénons, des clans, des boursiers. Imaginez un papa qui fait partie du clan des boursiers, il y a quelques décennies, qui, voyant les premiers visions en plastique, apprennent à continuer à enseigner à son fils, à son petit-fils, le métier des boursiers. Si nous nous prenons garde, c'est comme ça que nous, les Congolais, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de regarder les. Alors que le monde a complètement changé la compréhension. Je vais vous donner juste deux exemples. Il y a quelques mois, un petit appareil a fait le tour du monde sans consommer une seule de perte de carburant. Cela y passe, conçu par deux jeunes ingénieurs suisses. Et pour naviguer les pays arabes, vous avez une chose de problème des pays arabes, on a le pétrole. Ils ont fait le tour du monde. Ça, ce sont des pays qui sont passés inaperçus. Alors que c'est une grande innovation. Boeing a déjà fait voler les avions avec une pile à hydrogène. Actuellement, avec le parc, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, etc., ce sont des véhicules à hydrogène. Et nous, nous continuons à passer à nous battre pour le pétrole. J'avais dit au métro, la substitution va faire que la famille interviendra au plus haut de nos dépenses. Un exemple, il y a un matériau aujourd'hui qu'on appelle le graphène. C'est un matériau à partir du graphite, donc c'est du carbone à partir, comme vous avez l'avant d'un crayon. Eh bien, le graphène, à partir du graphène, on a fabriqué des matériaux. Le meilleur conducteur d'électricité est 200 fois plus résistant que l'acier. Par ça, c'est depuis 2010. Les diamants aujourd'hui, on parle de diamants, dans certaines conditions, des températures de pression, très haute pression, 1000 bar, grosse température, vous transformez les charbons en diamants. Un diamant industriel aujourd'hui, vous ne savez pas distinguer le diamant naturel. Donc nous sommes à un tournant très décisif de l'humanité et nous sommes toujours au niveau de l'humanité par les lignes. Au moment où le monde est en train de transformer par trois facteurs, trois domaines qui font progresser au niveau de l'humanité, c'est l'informatique, c'est la biotechnologie et c'est la nanotechnologie. Pour juste prendre la nanotechnologie, je vais donner un exemple ici. Le chiffre d'affaires de la nanotechnologie de 2004 à 2014 est passé de 13 milliards de dollars à 2,6 milliards de dollars dans le monde. Est-ce que nous nous y sommes? Nous n'avons pas acheté que ça signifie à ce qui compte notre pays. Nous oublions souvent que les pays organisateurs sont entrés en Chine à l'heure de la prévenir. Eh bien, aujourd'hui, la Chine est devenue le plus du monde. Pourquoi? Vous verrez que 4 étudiants sur 10 en Chine font les sciences ou bien l'ingénierie.
les portes se sont ouvertes, la Chine a donné les portes plus rapidement. Au Congo, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas pu avoir des chiffres sur l'enseignement au Congo, mais nous avons quelques chiffres sur le nord qui vient. En 2014 et 2015, il y avait 28 000 finalistes des humanités. Bon, on ne sait pas si ils sont réussis, mais il y avait en mars 230. D'autres en Turquie, en Russie, 663, dont 243 en électricité, 127 sur 28 000. Donc c'est le nombre de filles en mécanique générale, 145. Donc c'est le nombre d'une fille en électronique, 7 sur 28 000, donc 0 filles. 2015 et 2016, sur le nombre de filles finalistes, il y avait en mars 224. Et si on est scotifié à l'université, parce qu'on connaît des élèves qui sont venus ici à la mission, et puis peuvent devenir avantage ou selon, mais c'est pour se faire différent. Alors, au niveau de la RDC, si nous voulons préparer la famille, je me réjouis bien sûr dans la salle, il y a son espace de gouverneur, parce qu'il est l'un des rares gouverneurs du pays, ce n'est pas préparé par ces gens-là, qui a au moins changé au système d'éducation familial à l'école de ce matériel. Il y a aussi l'ancien gouverneur du Sahara, qui a créé le forum d'entreprise et que ceux qui disent que vous connaissez, où ils enseignent les sciences. Eh bien, nous allons préparer la famille avec ces filles, sans inciter les catégories et sans enseignement des sciences. Parce qu'un professeur de l'Université centrale nous a dit, un pays qui renonce à l'enseignement des sciences, c'est un pays qui renonce à son avenir. Et Laurent Mosset nous dit, nous devons citer un partenariat de matière première vers un partenariat de matière russe. Donc, préparer la première, c'est commencer ce partenariat de matière première. Donc, si j'ai pensé à ça, c'était surtout parce que j'en fais. Je vais finir ici, c'est pas le petit exemple qui sont motivés par les lignes. Merci. Juste un petit exemple. Dans le programme du gouvernement Matassa, en 2015, on devait produire 1 million de tonnes de cuivre. Sur 1 million de tonnes de cuivre, on les a réalisées, mais si vous faites le calcul, la taux de récupération soumise est à 2% pour les tonnes, ça rapporte maximum 100 millions de dollars. Alors que le cuivre a rapporté 63 millions de dollars à un pays voisin ici, et la vente des logiciels a rapporté à l'aide de 64 milliards de dollars. Faites la comparaison des cuivres. Ça, c'est un cuivre, c'est le mot. Mais si vous permettez, j'ai bien pensé à un autre cuivre. Parce que l'été a baissé. En ce qui concerne le plan de gestion environnementale. Voilà, gestion environnementale. Oui, la gestion environnementale, c'est une innovation d'abord que vous devez reconnaître avec le nouveau fonds d'équitable de 2008. Alors que pour moi, on ne peut pas parler d'une politique provinciale de gestion environnementale, on peut plutôt parler d'une politique nationale dans laquelle s'intègre le gouvernement provincial. Et cela, c'est à travers. Malheureusement, la direction de protection de l'environnement qui est à Kinshasa, qui n'est pas encore en province, il y a des niveaux de protection environnementale. Mais aujourd'hui, vous constaterez qu'au nom de ces entreprises qui sont, il y a d'abord la politique ou la satisfaction des entreprises qui sont qui passent une convention qui est à l'époque avec la République du Sahel. Tandis que les nouvelles entreprises, c'est ça pour la famille, bien sûr, ils font des études par la environnementale, ils sont là maintenant que ça va être suivi. L'un des outils pour préserver l'environnement, c'est le fonds des activités auxquelles toutes les entreprises versent une contribution parce qu'on ne doit pas attendre la fin de l'exploitation pour commencer à réhabiliter les sites. Il faut réhabiliter ou atténuer au fur et à mesure que les impacts sur l'environnement. C'est acceptable, c'est ce que j'ai dit, merci. On en profite de les annonces que c'est le gouvernement, comme vous êtes là, et on fait quand même insister sur des thématiques qui sont assez utiles. Je voudrais juste vous dire que notre province, plus ou moins un monde déterminant, mais même pas au niveau de notre pays, mais sur le plan entier, je vais vous parler des deux exemples. On a passé pratiquement 3 mois sans exporter les coltans. Je peux vous rassurer qu'en plus, dans la chambre de l'île, ça a été un tremblement au niveau de la planète. Ça a été un vrai problème. Quand je prends les statistiques que nous avons, je prends les statistiques.
payer les gens. Mais quand vous avez on a des documents. Et puis, le premier parti auquel on est, ce ne serait peut-être la même que ça sort aujourd'hui, mais je tenais quand même à dire que ça, on est en train de parler du projet de Côte d'Ivoire. Il y a un modèle comme Alphabet, qui a fait un modèle de développement d'Ivoire, qui est basé sur l'accueil de Côte d'Ivoire, qui va pouvoir en changer. Des éléments essentiels. Celle qui a fait qu'on ait beaucoup d'investissements par les gens au Canada. Donc, on a des risques probablement que cette clause de stabilité sorte. Ce qui fait que le modèle des familles qui va être réalisé pratiquement à la hausse en termes d'investissement et des coûts de l'entreprise. Le deuxième élément, les royalties. On est en train de parler, on était de plus ou moins de 0,5%, mais le gouvernement va nous appeler jusqu'à 5%. C'est des vrais chiffres. Alors, si aujourd'hui, un projet comme la famille arrive à arriver à vous, nous pouvons viser même par rapport à ce qu'on appelle les nombres de transactions d'origine. La bourse est libre. Si nous arrivons encore à bien faire, à avoir la transformation localement ici, notre master est là. Mais à quoi ça sert effectivement d'avoir un développement unique qui est efficace? C'est ce développement-là qui va permettre de financer d'autres secteurs connexes comme l'agriculture, l'élevage, les infrastructures, l'énergie qui se développer. Il faut vraiment qu'on voit comment est-ce qu'on peut mettre des mécanismes de collaboration et de partage entre secteurs privés et publics pour voir comment est-ce qu'on peut adresser ces questions-là. Si on ne le laisse pas de manière responsable, on peut dire tout ce qu'on veut ici, on peut faire des protestos comme on va parler. On a des grands projets. On a un grand projet qui s'appelle l'ICIE. Même mon entreprise, j'ai envie d'acheter des actifs qui nous sont dans le territoire américain et pouvoir faire son carré d'avoir. Mais on ne pourra pas développer si on n'a pas un code minier qui est incitatif et qui rassure les gens. Je ne vais pas rentrer sur ces questions de sécurité que nous avons. On travaille vraiment dans des conditions très très difficiles. Juste pour vous donner par exemple un exemple, aujourd'hui quand on doit ramener des produits provenant de Bas-du-Calais, on est obligé pratiquement de contourner parce que la paye coûtait une propre défendance. Alors que la route massive sur Bas-du-Calais a fait moins de 160. Voilà les points de vue que nous avons, qu'on veut vraiment que l'autorité s'applique à la voie. Merci beaucoup.
qu'il y a des travailleurs de l'émission de la nature de qualification. Et en attendant, je dois me vérifier si les gars, c'est que toutes les entreprises sont demandées d'avoir des propriétés. Ça, c'est à l'intérieur. Donc, je voudrais dire par là que la sécurité de l'État, la mission de l'État, il revient à l'État de chasser les cousins. Et dans sa mission, il ne peut pas qualifier et valider les sites auxquels il y a des cousins. De deux, par rapport aux préoccupations de l'honorable Denis, je pense que un peu partout au monde, mais si le quotidien est passé, il y a ce problème de le conflit entre des artistes de titres et des artisans. Et ça, c'est dit par rapport à la façon où se distribuent les titres, parce que les titres, quand on se dit qu'on est à Kinshasa, on ne tient pas compte des existences et des artisans sur terre. C'est pour ça qu'on retrouve plusieurs comptes. Mais quant à nous, nous avons préféré régler le problème d'une façon sociale pour comment faire cohabiter les affaires de l'île et les artisans. Cela a été fait, bien qu'il y a des soucis et nous pensons avec la compagnie du gouvernement et les partenaires de l'immigration financière, nous allons trouver toujours des défis pour faire régner la paix sociale. Quand ce qui concerne les prix et les retards de l'événement, ça sont des questions auxquelles ça nécessite une réflexion de la part des autorités quand ils sont informés et agir à part. Parce que de mon protocole, le ministère est en ligne la sélection est constatée et il y a la mission de régler ces différends. Par rapport à la question de Kalumbo, qui a parlé de comment on travaille par rapport à la je pense que la législation modèle est claire. On impose aux exportateurs et aux directeurs africains 40% des fonds. Ça a tout d'abord une exigence. Mais aussi, il faut noter qu'au niveau des exportateurs, les contrats que nous avons avec le contrat, c'est qu'il doit nous payer par rapport à la guerre. Et dans le sud, on a pas les clients, il faut les chercher. Et là, nous invitons encore une fois de venir nous implanter à l'intérieur où nous sommes en région. On m'avait demandé de parler sur la position rien, mais comme le ministre l'a dit, en 2017, vous avez trouvé qu'on a exporté bien sûr quelques fois notre retard. Ça, c'est 95% qui a été produit par notre coopérative et exploité par la société SMP en 5% et 5% par la SACIMA. C'est une précision. Mais je vais vous dire que l'exploitation artisanale a commis plusieurs problèmes, entre autres la chiffre qui n'a pas permis une évolution positive des exploitations artisanales. De même, nous avons vu que l'exploitation, la croissance de la production minière n'a pas été critère de la croissance économique et de revenus artisanaux parce qu'il y a l'État qui vient d'en haut vers le bas. Et le petit, le grand petit, est toujours supporter de toutes les charges, pour les demandes de préparer les autorités pour la réglementation de ce système. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je
s'agissant de la question des banques, que effectivement les banques, contrairement aux églises, les églises cherchent de nouveaux fidèles, mais les banques cherchent pour elles déjà des gens capables d'être des clients. Et pour ce qui concerne les territoires de Walikale, à partir de l'impact de la société Alphamine, celui de Kadeko, c'est qu'ils ont déjà ouvert un guichet à Walikale. Et il y a plusieurs banques, dont je ne citerai pas les noms parce qu'elles ne m'ont pas mandaté de le faire, qui ont déjà fait des explorations et qui vont devoir s'installer. S'installer parce que, en fait, l'ensemble des obligations, essentiellement fiscales, salariales et différentes opérations, pour une société qui a des exigences de respect au niveau international, tout se passe par une traçabilité bancaire. Ça veut dire que les banques ne peuvent pas s'estimer d'avoir pas été prises en compte. Comme le ministre l'a dit, on a parlé avec eux à l'édition précédente, mais pour aujourd'hui, depuis le début du mois, avec Alphamine, les banques s'installent maintenant à Walikale. Ça, c'est déjà très intéressant. Je me limite là, je crois que j'ai été bref. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la traçabilité de l'or. La traçabilité de l'or en RDC est hypothéquée par trois facteurs. Le premier facteur, c'est le fiscal. Pour le même grain d'or qui va du creuseur à l'entité de traitement au comptoir à l'exportation, si vous calculez au total, il faut perdre à peu près 14% de la valeur. Je ne sais pas quelle est la personne qui va vous montrer son grain d'or si tu sais que 14% vont partir entre les frais de transaction, syndicale, et au niveau du creuseur, au niveau du négociant, à l'exportation, on ne compte pas ce que prélève parmi les présidents des foyers, etc. Deuxième facteur, c'est la sécurité. Si quelqu'un doit coûter un peu comme on ne bougeait pas en arabe, si les gens savent qu'il a 10 grammes d'or, il a plus de chances, il a plus de risques de ne pas être vivant, il risque de se trouver là-haut, si on ne prélève pas seulement, c'est déjà élevé. Troisième facteur, ce sont les cas de la sécurité. On ne peut pas se le cacher parce que quand quelqu'un a de l'or, c'est comme si c'était lui qui avait tué Jésus. Il y a de rester au moins presque tous les églises qui sont venus et traversés du matin au soir. Tandis que ceux qui sont installés, ils sont là avec 30 personnes et à la fin de l'année, on vient 30% de bénéfices et il est tranquille. Alors, l'autre aspect est par rapport à la réhabilitation ou restauration de sol, nous devons dire au niveau de la province que nous sommes encore au niveau de l'exploitation artisanale qui détruit, il est vrai, le sol, mais nous n'avons pas des problèmes de contamination par les métaux et les lourds comme les tout d'autres espèces, mais nous avons la problématique du mercure qui est utilisée pour la récupération de l'eau. Nous sommes en train de travailler sur les radios sociales. Sinon, en ce qui concerne la réhabilitation et la restauration, je pense que les législateurs, ils aident en cours de répondre à l'avance ce qu'on appelle les sécurités pour la restauration de l'environnement. Parce que c'est que les entreprises payent et que le projet est payé, parfois n'est pas payé et parfois c'est insignifiant. Alors que l'environnement est déjà par rapport à l'environnement sont assez élevés. Mais si on a des vraies coopératives et en travail sur ces équipes, on peut arriver à résoudre cette question. Par rapport aux banques, je dois quand même dire que dans l'organisation, il y a beaucoup de données de fonds pour qu'il y ait cette histoire. Combien d'opérateurs de secteur minier ont perdu l'argent en tâche? Combien d'argent est perdu de l'argent important dans la grève? Combien ont perdu la PIA? Donc, il faudrait aussi des systèmes bancaires sécurisés et rassurés des opérateurs. Je vous remercie. Oui, je voulais d'abord juste un petit complément par rapport au passage de la technique. Une question qui a été posée à John Anemi. Mais je voulais aussi préciser que en RDC, ce qui est de la production, c'est essentiellement les coopératives. Mais comme vous le savez, depuis qu'il y a eu la loi d'Otran et la levée de l'embargo qui a suivi, la plupart des gens se sont rués pour créer des coopératives, pour avoir des titres, mais sans être totalement impliqué dans le secteur minier. C'est pour ça qu'il y a des gens présidents d'une coopérative, mais qui se retrouvent à Kinshasa, qui ne connaît même pas le site sur lequel sa coopérative est censée agir. Il y a des coopératives. Je pense qu'il y a un problème avec la batterie. Il y a des coopératives qui n'existent
que sur papier. Il y a des exceptions, évidemment, pour Bérama, Emma, Katanga, CMTC. Des gens qui sont organisés, qui savent ce que ça coûte de produire des minéraux, qui savent combien ils produisent par semaine, qui savent combien ils produisent par mois. Mais il y a aussi des coopératives qui n'ont même pas un compte bancaire. Comment espérer attirer des investisseurs si on n'a même pas un compte bancaire? Si le président, aussitôt qu'on l'invite à une réunion, moi j'ai fait ces constats-là, on invite une coopérative à une réunion pour faciliter une rencontre avec un investisseur. Aussitôt après la réunion, c'est le vice-président, c'est l'administratif qui vient avec un CV qui pourrait être engagé chez l'exportateur. Donc les gens ne savent même pas pourquoi ils se sont regroupés en coopérative. Comment attirer des investisseurs dans ces conditions-là? Il y a aussi un autre challenge, c'est la formation. Beaucoup de gens ont parlé de l'exemple du Katanga. Mais à l'époque, au Katanga, il y avait ce qu'on appelait des formations PP, niveau A5 à A4, dans la technicité des mines. On ne peut pas passer à la petite mine si on ne sait rien de ce qui est de la production. S'il n'y a pas de techniciens capables de conduire un engin d'exploitation, même une petite pelle, il y a très peu d'instituts qui sont versés vers la formation des mines ou des technicités dans le domaine des mines. Et c'est difficile de passer à la petite mine s'il n'y a aucune formation qui est relative. Ici, nous sommes en train de parler de plus ou moins 2 millions de gens qui travaillent dans l'artisanat minier, où la plupart n'ont même pas un niveau de primaire. Il faudrait penser à cette formation-là. La CESCAM qui est marque, qui doit assister dans la formation ou la formalisation de l'exploitation, souvent les gens réduisent leur rôle au prélèvement des taxes, alors qu'ils sont censés appuyer les artisanaux sur comment exploiter, comment organiser la mine. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, on m'a demandé de parler aujourd'hui de la transparence. On ne peut pas espérer un investissement en petite mine s'il n'y a aucune transparence. Les gens ont oublié pourquoi on a mis le principe de diligence raisonnable en place. Au départ, c'était pour que tout ce qui est comme acheteur au niveau international puisse être rassuré en sachant exactement ce qui se passe dans le domaine minier au niveau de l'Est de la RDC. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui exportent, mais qui malheureusement n'ont aucune idée de l'histoire qu'il y a derrière l'exploitation des minéraux. On ne sait pas de quel site est venu le minéraux. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire pour améliorer la transparence et aussi renforcer les capacités des différentes coopératives. On a parlé aussi de l'offre. Je voulais partager avec vous que BSC, en partenariat avec Tetatec, est en train de mettre la diligence raisonnable, traçabilité des diligences raisonnables, sur le site de Niamoural et au circuit. Si Son Excellence est intéressé par l'expérience que nous sommes en train de placer, nous sommes prêts et disposés à partager avec cette expérience. Il est vrai que l'exploitation, la traçabilité de l'or est un réel challenge. BSC a dû mettre en place des dispositifs spécifiques à la traçabilité de l'or, notamment des applications mobiles qui ont été conçues, mises en place à la fin du mois passé. J'étais ici au mois d'octobre, ce n'était même pas encore innové, mais nous avons mis en place des applications mobiles pour pouvoir passer l'or. C'est un challenge, mais je pense que quand on a un prospect, on peut en même temps sortir passer l'or. Et enfin, nous, en tant
Il n'y aurait pas de diligence raisonnable en restant statique. Il faut améliorer la diligence raisonnable, il faut améliorer la traçabilité. Nous sommes contents d'informer l'assistance ici que l'innovation a permis, par exemple, pour des opérateurs de la barre, notamment dans le cobalt, de chercher des outils qui ont été développés par BSP. Je venais de Malos et de l'eau. Tous ces outils sont possibles uniquement quand on a un système qui est suffisamment flexible. Parce que la façon de suivre le transport des minerais, la façon de lutter contre le mixage des minerais dépend des circonstances et évolue avec le temps. On ne peut pas se mettre dans un système qui est rigide et qui est fixe et espérer que les fraudeurs qui étudient à chaque fois comment reprendre les systèmes vont continuer à respecter la traçabilité. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons terminer avec le ministre. Je voudrais ajouter par rapport à la cité, passage de la communauté à la Palestine. Et nous, avec mon partenaire, parmi lesquels le gouvernement, le ministère de l'Église, nous sommes en train de faire un programme de diabilisation des 6 milliers de la cité. Mais avant de commencer par la réalisation des citoyens dans un lot, il nous était mieux en fait de procéder par des études géologiques. Parce que beaucoup pensaient que le contexte artisanal, on ne peut pas faire une évolution, une évaluation de la productivité, on ne peut pas faire une quantification de la ressource minérale. Et pourtant, il y a un certain nombre de pays qui ont été établis par rapport, notamment celui du USGM, notamment celui du CHM. Même le BGR réfléchit comment faire une certaine quantification des systèmes artisanaux. Et nous, en tant que géologues, nous avons apporté une approche dans cette arrivée. Et nous avons, avec le partenaire du Sud, fait des études récemment dans 4 études, notamment les études de Kilimanjaro, les études de Matamba, ainsi que des canaux éloignés. Et nous pouvons nous rassurer à juste titre que nos résultats ont été appréciés non pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, parce que la méthodologie que nous avons employée a été tout à fait utile. Pourquoi faire la virilisation des sites miniers artisanaux? La virilisation, en fait, elle concerne la semi-mécanisation même du site, parce qu'on ne peut pas parler de la petite mine sans qu'on puisse entamer par une étape de semi-mécanisation de cette exploitation. Mais aussi, il y a l'aspect qui est lié au mode d'accès. La plupart de nos sites ont été qualifiés, ont été validés, mais l'accessibilité de ce site-là est tout à fait difficile. Donc, brasser en fait la formalisation, brasser la viabilisation, c'est en fait une contribution à la route vers la Palestine. Merci beaucoup. Il y a M. Daniel qui s'est venu pour vous donner la parole. 1 minute. Bien sûr, madame. Moins d'une minute. Merci. Je voulais proposer un moment à Mme Zenita la problématique des terreurs, c'est-à-dire qu'il y avait un problème, qu'il ne faudrait pas prendre ça à la légère, parce qu'en amont, ce sont les exploitants miniers artisanaux qui en participent. Nous avons ces jours des laboratoires à payer, même des États. Pourquoi ne pas prendre à l'un des laboratoires le CIPR laboratoire, nos systèmes laboratoires, faire un partenariat de manière à ce que vos négociants vont livrer la marchandise avec déjà un bulletin. Les écarts sont connus à travers le monde. Les teneurs sont connus. Vous ne pouvez pas avoir un écart de 5%, c'est impossible. Ça veut dire que si les négociants sont éclairés par des laboratoires avec qui vous allez faire un contrat, il a son bulletin. Et quand vous livrez chez vos partenaires, vous savez vérifier que non, j'accepterai les cas d'1%, de 2% et pas de 5%. En ce moment-là, vous verrez que vos partenaires seront obligés de décalibrer, s'ils vont calibrer à 2 heures, leur machine pour ne pas donner de l'argent qui permettra à ce que nos amis trouvent de moyens. Et nous, TSD, nous sommes disposés à travailler avec vous, à vous donner des bulletins de la programmation des orientations pour vous permettre d'aller trouver des solutions à ce problème. Et pour terminer, je veux vous dire
de la garde n'est pas un problème interne, c'est un problème obligatoire lié au code de vie pour être en sécurité pour nous. Thank you.
Pour Ali Morisho, les joueurs à les journalistes sportifs qui sont dans la tribune nord. Capitaine,
les exploitants, mais nous voudrions qu'ils exercent non seulement les activités minières, mais aussi des activités sportives, des activités de divertissement. Comme vous avez à le constater, aujourd'hui nous avons développé des thèmes qui concernent l'exploitation minière, mais il y a eu aussi des sketchs qui cadrent avec l'éducation minière. Et aujourd'hui nous avons montré à la face du monde, à la face de la province de notre pays, que les exploitants miniers peuvent aussi livrer des compétitions sportives. Merci. Vous avez représenté Assamine dans cette rencontre, dans cette journée. Qu'est-ce que l'aspect sportif représente dans une activité comme celle-ci qui est minière? Vous savez, l'activité minière ne faut jamais l'éloigner de la vie des humains. Voilà pourquoi, au même moment qu'on cherche les minerais, au même moment, on doit appuyer la jeunesse pour, de temps en temps, avoir des opportunités d'agrément comme ce qu'on vient d'avoir aujourd'hui. C'est le lieu de remercier les amis de Massissi, ceux de Koperama. C'est également le lieu de remercier nos jeunes de Walikale, de Alphamine, qui viennent de faire ce qui a constitué la joie de nous tous. Chaque but marqué était une joie pour quelqu'un. Or, il y a eu 5 buts marqués. Donc, il y a eu 5 occasions de joie. Ceux de Walikale se sont donné 3 occasions. Les autres en ont pris 2. Mais dans tous les cas, nous tous nous sommes réjouis. Voilà le plus important. Et plus ça rapproche les gens. Ça, il faut vraiment le noter. C'est une note particulière qu'il faut à l'endroit du gouvernement qui a décidé, à l'occasion de ce Mining Day, d'avoir une compétition sportive entre, en réalité, le territoire de Walikale et le territoire de Massissi. Deux territoires voisins qui viennent maintenant se réjouir à Goma. Ça veut dire qu'on a relié pratiquement un espace très vaste et pour ça nous disons merci aux organisateurs et nous sommes prêts à revenir l'année prochaine pour gagner encore de nouveau la coupe parce que c'est l'habitude. Aujourd'hui c'est Goma, demain est-ce qu'on peut estimer que c'est Walikale ou Massissi? Bon, en fait on venait d'échanger avec les amis de Massissi sous réserve bien entendu des décisions des hiérarchies de nos différentes sociétés. On voudrait bien qu'il y ait un match pareil à Walikale entre Koperama et Alphamine à Walikale et qu'il y ait également le même match entre Koperama et Alphamine à Massissi. Ça va amener les gens à un peu plus de cohésion. Vous savez, au même moment qu'on fait le business, on doit aussi faire en sorte que les gens vivent ensemble. Et c'est la chose, la note particulière pour le moment, le vivre ensemble. J'ai embrassé mon frère Seninga, j'étais plus heureux, certes plus joyeux que lui, mais il partageait ma joie de m'embrasser. Voilà ce qui est assez intéressant. Et les gens de Manicane qui sont venus, les quelques-uns,